Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, vous êtes en direct ici à Souston, où alors on va vous commenter à partir de 15h45 les matchs des équipes Fagnon qui vont opposer l'ASS Soustonnaise au Saint-Paul Sport, donc un derby landais, Jean-Pierre. Donc je suis accompagné de Jean-Pierre Broge et actuellement nous sommes devant les équipes B, donc qui sont en train de faire une jolie partie où Souston vient de s'assurer le gain de la victoire. Donc Jean-Pierre, bonjour. Eh bien bonjour Benoît, ravi de te retrouver une nouvelle fois. Il fait un peu moins froid que la dernière fois quand nous étions à Saint-Paul. Et nous sommes sur cette magnifique pelouse du stade Rémy Goalard à Souston, qui est très belle, une des plus belles pelouses de Côte Basque. Dixit, tous les grands rugbyman de France. Ouais, Jean-Pierre, c'est bien, tu as bien vendu ton espace. Donc là, actuellement, vous avez les équipes B qui sont en train de se confronter. Souston, donc, qui vient justement de marquer un essai. L'essai du bonus offensif pour la victoire qui se profile, puisqu'il reste 2 minutes de jeu à faire et il mène 30 à 12 devant cette équipe Saint-Paul Sport. Donc Saint-Paul qui a eu un peu de remue-ménage au niveau de son staff technique cette semaine. Nous avons appris la démission de Jean-Michel Gonzalez. Donc visiblement, après les renseignements que nous avons pris, même si Jean-Michel avait fait un boulot énorme, donc au niveau de Saint-Paul et Dax, c'est les coachs qui ont pris la suite de tout ça. Ils se sont fait de beaux entraînements cette semaine et ils ont promis aux Soustonnais d'avoir une belle opposition aujourd'hui. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Effectivement, on avait vu que Saint-Paul était pas loin à chaque fois, puisque le dernier match contre le BTS, ça s'était joué à pas grand-chose. Et peut-être que la succession de défaites a fait en sorte que Jean-Michel Gonzalez ait pris la décision de démissionner. Maintenant, on voit avec la Fédérale B actuellement que Saint-Paul n'est pas venu en victime, puisqu'ils font un très très gros match. Et c'est dire la valeur de cette équipe de Souston au niveau de la B, à la fin du match, s'ils maintiennent le point bonus, se retrouvera premier de poule avec Lormont qui a un match en moins, mais ils seront premier de poule. Oui, effectivement, au niveau du classement, ces équipes B, donc Souston était deuxième aujourd'hui, ils étaient à 4 points de Mouguère qui ne joue pas, et donc Souston qui actuellement a les 5 points de la victoire, donc il passerait devant. Quant à Saint-Paul qui est sixième, eux ils resteraient sixième puisqu'ils sont à l'abri d'une victoire à Saint-Médard-en-Jalles, puisque Saint-Médard-en-Jalles était à 7 points de... Donc ça ne change pas grand chose pour au niveau du classement. On a eu un bel article aussi au niveau des journaux, un article sportif. Donc Olivier Daguincourt qui avait fait cet article au niveau de Saint-Paul et Dax, qui a été interviewé le président de Saint-Paul, Christophe Pé, par rapport au départ de Jean-Michel Gonzalez. Donc il a demandé aussi, Jean-Michel, il a demandé s'il voulait faire des commentaires par rapport à son départ et il n'a pas souhaité faire de commentaires. Il a dit qu'il ne voulait pas commenter sa décision et qu'il avait donné raison au président, donc ça s'arrêtait là pour lui. Quant au président de Saint-Paul et Dax, sportivement, il a bien spécifié que Jean-Michel Gonzalez a fait un gros travail à Saint-Paul, le temps qu'il y était resté, et qui donnait les rênes principalement à Didier Darjot qui va être un peu plus en première ligne, accompagné toujours de Didier Discazo pour cette équipe première. Voilà. Donc on vient d'assister donc à la fin de ce match, comme je vous disais, avec la victoire de l'équipe soustonnaise sur son terrain, sur le score de 30 à 12, avec une victoire bonifiée. Donc ce qui veut dire qu'au niveau du classement, les équipes réserves de Souston prennent la première place. Est-ce que ce sera de bon augure pour l'équipe 1? On verra ça après. Donc on va en profiter pour vous donner les compositions de ces équipes B, puisqu'ils ont le mérite d'être sur le terrain, donc ils ont aussi le mérite d'être connus et reconnus. Donc moi je vais commencer par l'équipe Saint-Paul. Alors Saint-Paul, donc en numéro 1, nous avions Casso-Volantin, Postis Maxime en 2, Echeverria en 3 qui est sorti rapidement remplacé par Gabar Jordan. En 4, nous avons Serré la Bourdette, Paul.
En 5, nous avions Dupont-Damien. En 6, Nicolou-Corentin. En 7, Leloir-Florian. En 8, V2V-Florian. En 9, Loustalet-Jessy. En 10, Lafargue-Martin. V2V-Clément qui était le buteur aujourd'hui. En 12, Postis qui était le capitaine. En 13, Saint-Giron. En 14, Méric. En 15, Bernadet. En 16, Gabar qui est rentré rapidement pour remplacer Echeverria qui s'est blessé. Le 17, Bigot. Le 18, Dulon. 19, Moriera. 20, Lambert. 21, c'est Debèze. En 22, Cazade. Et donc, vous avez comme entraîneur donc Alain Bibonne et Lacep Pascal. Pour l'AS Souston, donc en numéro 1, Gabriel Buc. En numéro 2, Julien Dubourg. En numéro 3, Nicolas Duchon. Seconde ligne, Kylian Gambier, accompagné de Sébastien Banquet. Troisième ligne, Martin Cazobon, Axel Bourgade. Capitaine numéro 8, Florian Montus. À la mêlée, numéro 9, Guillaume Vasseur. Numéro 10, Elliot Jean-Jean. Numéro 11, David Ducout. Numéro 12, Jocelyn Turia. Numéro 13, Joseph Bénichou. Numéro 14, Mathis d'Anglade. Numéro 15, Benjamin Labeyrie. Les renforts. Yann Lapenu en numéro 16, en numéro 17, Baptiste Dumur, en numéro 18, Maxime Monsacré, en numéro 19, Thibaut Bedat, numéro 20, Peyolobi, numéro 21, Victor Azalbert, numéro 22, Flavien Liotier. Les présidents pour l'AS Souston, Alain Laclos, Olivier Antoine, les entraîneurs, Bastien Mangeon, Frédéric Sarade. Et à Fabien Villeneuve, l'arbitre de cette rencontre était arbitré par Jean-Pascal Lafargue. Voilà, Voilà merci Jean. Benoît pour les compositions d'équipe. Merci Jean-Pierre, vous connaissez tout de la de les des équipes B. Donc maintenant, on va passer donc à ce match principal qui va avoir lieu donc d'ici quelques minutes avec les équipes de Souston donc qui vont s'opposer aux équipes Simple Sport. Souston qui aujourd'hui Jean-Pierre est classé donc quatrième de sa poule, hein, qui est à une portée de fusil de Saint-Médard-en-Jalles avec une victoire bonifiée. Et donc Saint-Paul et Dax, qui avaient les difficultés qu'ils ont rencontrées dernièrement, sont aujourd'hui 9e à 28 points. Et donc Saint-Paul qui a besoin de prendre un peu de distance peut-être par rapport à Gédemont qui est juste derrière à 2 points. Et Saint-Paul qui a besoin de se rassurer aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc nous allons vous donner les compositions de ces équipes premières. Jean-Pierre, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose avant. Mais tout à fait, Benoît. En plus, Souston qui sort de 2 victoires consécutives, une contre le Stade Andaillé et ici contre Ajetemo il y a une semaine. Et Saint-Paul qui sort d'une défaite chez lui contre le BTS, mais qui a un match en retard contre l'US Orthès. D'accord. Donc nous allons vous donner rapidement les compositions d'équipe avec pour le Saint-Paul Sport, Koufignal Thomas, 2, Bedebat Clément, en 3, Dulon Jordan, en 4, Bonpan Antoine, en 5, Garcia Florian, en 6, Ducouré Diaby, en 7, Paris Pierre, en 8, Bergoy Lucas. En 9, Larieux Paul. En 10, Argel Florian qui sera le capitaine. Persillon Paul qui jouera en numéro 11. 12, Troussier Thomas. En 13, Montiel Ghislain. En 14, Dulon Florian. En 15, Lang David. Lafitte sera remplaçant en numéro 16, Lafitte Théo. 17, Douette Quentin. En 18, Carrère Alexandre. En 19, 16, Michael. En 20, Brousteau Ludovic. En 21, Lasser Arnaud. Et en 22, la journée de Florian. Les entraîneurs, ce sont Didier Darjot et Didier Discazo. Voilà. Benoît pour l'AS Souston. Numéro 1, Thomas Dufour. Numéro 2, Darmaillac Guillaume. Numéro 3, Jean-Baptiste Laguin. Numéro 4, Tony Ruba de Mera. Numéro 5, Bastien Faure. Numéro 6, capitaine Velzer, capitaine. Numéro 7, François Sartou. Numéro 8, Vincent Sox. Numéro 9, à la mêlée, Julien Lassalle. Numéro 10, Cédric Manjoulou. Numéro 11, Alexandre Lopez. Numéro 12, Baptiste Latour.
numéro 13 Aurélien Sourouille, numéro 14 Timothée Urès, numéro 15 Hugo, numéro 16 les renforts Barbetelli Sébastien, numéro 17 Thibault Lafitte, numéro 18 Folco Forest, numéro 19 Sylvain Lassalle, numéro 20 Thomas Ladoux, numéro 21 Théo Barada, numéro 22 Julien Lacolle. Les entraîneurs Régis Castetbon, Thierry Ferrand et Frédéric Sarade. L'arbitre de cette rencontre, Benoît, sera Quentin Svez. Voilà, donc pour les compositions. Alors aujourd'hui, une affluence qui est assez nombreuse. Les tribunes couvertes, je dis bien couvertes, sont garnies. Puisqu'on a la pluie qui vient par intermittence, donc là on a eu une petite averse. Visiblement le soleil a envie de revenir, mais je pense que le ballon va être glissant puisque la pelouse est quand même mouillée, même si c'est une belle pelouse. Hein. Jean-Pierre vous l'a bien précisé que c'était le plus beau stade de France, hein. Si on ne dépassait pas les limites des Landes. Et donc ça reste un bon terrain pour une belle pratique de rugby aujourd'hui. Le ballon risque d'être glissant, donc on va voir si les buteurs vont se servir de cette technique-là pour essayer de maintenir le jeu dans les camps adverses. Mais ça promet une belle partie. À noter Benoît que comme info, Tyros reçoit Oloron aujourd'hui, match important après un match à Florence en demi-teinte. Ainsi que les espoirs qui viennent d'être défaits à Tyros par Oloron et Peyrorade qui après une semaine compliquée reçoit Lombès-Saint-Matan, victoire impérative puisque ils ont subi une très grosse déconvenue contre Nafarroa à la maison. Donc je pense, mon petit doigt m'a dit que dans la semaine il y a dû y avoir un petit peu d'eau dans le gaz, mais Peyrorade est un grand club et ils vont vite repartir de l'avant. Oui, effectivement, il y a eu des mini-trêves aussi. Donc, ça fait qu'il y a quelques joueurs blessés qui peuvent revenir. Okay. Et donc, ça fait que les équipes arrivent à se rééquilibrer au niveau du jeu. Et c'est vrai qu'après, les saisons sont longues. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de la Fédérale 2, Jean-Pierre, même si tu parlais de Fédérale 1, mais au niveau de Fédérale 2, c'est les 90% des joueurs sont strictement amateurs, peut-être pour ne pas dire les 99%. Au niveau de la Fédérale 1, c'est pareil, il y a beaucoup d'amateurs au niveau de tu sais de quoi je parle, Jean-Pierre, puisque tu as la chance d'avoir un de tes fistons qui pratique à ce niveau-là. Ce qui n'empêche qu'après le dimanche, il faut les bosser le lundi. Et après les blessures, ils durent un peu plus longtemps et ils n'ont pas de staff technique, de staff de médicaux pour leur permettre de reprendre les compétitions 15 jours ou 3 semaines après. Donc il faut dire que ces équipes-là, dès qu'il y a un joueur qui est un peu blessé, ou deux ou trois, sont vite handicapées. Peut-être qu'il n'y a pas le turnover au niveau de Peyrorade pour pallier au remplacement de certains. Mais bon, Peyrorade, je pense, comme tu dis, ça a dû être dur les entraînements cette semaine afin que tout le monde puisse se remonter. Et ça promet de belles reprises avec les joueurs qui n'ont pas tardé à rentrer sur le terrain. Mais c'est ce qui est important à tous les niveaux, on le voit maintenant, c'est la qualité de l'entraînement. Et parce que si tu veux moins te blesser, faut t'entraîner un peu plus. Maintenant, le renfort musculaire est intégré dans beaucoup d'équipes parce que ça protège les joueurs. Les chocs, contrairement, on ne peut pas comparer le rugby d'avant à celui de maintenant. Les chocs, on le voit, sont de plus en plus, ça tape de plus en plus fort. On l'a vu à l'image du Stade Toulousain contre Pau la semaine dernière. Il faut vraiment être prêt et au niveau amateur, à un moindre degré, c'est exactement pareil. Il faut se préparer à ces chocs. Soit dit en passant, avant que les joueurs rentrent sur le terrain, une info, le Stade Toulousain vient se préparer à Souston à partir d'aujourd'hui. Ouais. La première équipe qui rentre sur le terrain, c'est Saint-Paul et Dax, qui, avec de magnifiques maillots roses, vont être reconnaissables. Et ils vont jouer à droite de votre écran. Et avec Souston qui va sûrement jouer à leur couleur locale. Et Souston qui est toujours en bleu et blanc, hein, qui rentre maintenant sur le terrain. Avec le coup d'envoi qui a été gagné visiblement par les Soustonnais. Donc c'est Saint-Paul qui va recevoir
ce ballon avec, nous allons voir si malgré le physique, Saint-Paul psychologiquement a surmonté le départ de leur manager. Et apparemment, il y a eu du sérieux aux entraînements dans la semaine. Donc on leur souhaite que du bonheur et on souhaite aux deux équipes de faire au mieux pour qu'on puisse profiter de cette fête, donc qu'ils nous fassent du joli jeu. On voit, Benoît, que Diaby Doucouré pour Saint-Paul est sur la pelouse soustonnaise, puisqu'il joue aussi avec Dax et il est en tutorat, me semble-t-il, avec l'USD. Et une troisième ligne de très, très grosse qualité. Souston a opéré quelques changements par rapport à la semaine dernière, par rapport au match d'Ajetmo, notamment Cédric Menjoulou démarre le match en lieu et place de Théo Barada, qui avait fait un excellent match aussi la semaine dernière. Le coup d'envoi est donné. Avec une prise de balle, donc à la seconde ligne, Bonpan qui a récupéré ce ballon, maintenu en l'air, le ballon qui est disponible. On est sur une sortie lente, donc on va aller rechercher. Ça se connecte bien au niveau de Saint-Paul. Dominique Ar Florian Argel qui a la baguette organise autour de ce roc et on va sortir par un jeu au pied de Paul Larrieux. Un grand coup de pied très haut avec une réception de Julien Lassalle. Ouais, qui est allé récupérer ce ballon sur l'aile très habilement. Et Darmaillac qui va au contact, le numéro 2 de Souston. Et l'arbitre qui siffle qu'il y a un avantage, il estime que le plaquage a été haut. Et il siffle et il revient à l'avantage. Il estime que le plaquage sur Doria, sur Darmaillac, Guillaume Darmaillac, a été trop haut. Et c'est une pénalité contre Saint-Paul d'Ax. Et c'est pas facile pour les arbitres parce que notamment ceux qui font Fédéral 1 Espoir et Fédéral 2 et Fédéral 3 souvent parce qu'ils arrivent à switcher. Mais entre le plaquage en Fédéral 1, le plaquage en Fédéral 2, le plaquage à 2 et le plaquage en haut, il faut vraiment qu'ils soient capables de bien s'adapter tous les dimanches, les arbitres, parce que c'est de plus en plus compliqué. Oui, effectivement, si on suit un match de top 14 ou international, là, il n'y avait jamais faute puisqu'il a été pris aux épaules. Mais bon, le plaquage doit être au niveau de la ceinture. C'est ça. Et donc, la règle est ce qu'elle est. Et de toute façon, c'est travailler l'entraînement avec Hugo Barada qui fait sa première tentative. Et Hugo Barada qui a un très gros coup de pied pour cette équipe de Souston. Et qui fait un excellent début de saison. On va respecter le silence pour le buteur. Avec un gros coup de pied qui passe entre les poteaux. Et donc, Souston, qui au bout de 2 minutes mène 3 à 0 devant cette équipe de Simple Sport. Saint-Paul Sport qui va repartir, qui était pas loin sur le dernier match contre le BTS. Ça s'est joué à pas grand-chose sur peut-être un ou deux ballons qu'aurait dû écarter le SPS. Avec un renvoi court qui est récupéré directement pour les Soustonnais. Le ballon qui est en phase d'être arraché, mais le ballon qui est bien protégé par les Soustonnais. Donc le ballon qui est écarté de nouveau. On va passer par les centres avec de nouveau un point de fixation. Saint-Paul qui est bien en place en ligne au niveau de la défense et qui fait concéder en avant à cette équipe de Souston. Et donc l'arbitre siffle en avant et ce sera la première mêlée de la partie avec de grosses mêlées aujourd'hui. De grosses mêlées. On a vu Baptiste Latour qui a essayé de perforer au milieu, mais Saint-Paul était vigilant au niveau des centres. On a essayé d'écarter le jeu parce que Souston écarte le jeu depuis le début de la saison. Les deux centres de Troussier et Montiel sont costauds quand même au niveau de Saint-Paul. C'est de gros défenseurs. De gros défenseurs et ils ont beaucoup d'expérience et ils aussi. se connaissent très bien puisqu'ils ont l'habitude de jouer très souvent ensemble. On peut en dire autant du côté de Souston, Oui. mais parce que Sourouille qui fait une grosse saison aussi. Sourouille qui est un peu le papa derrière, qui sécurise un petit peu tous les jeunes, qui les accompagne bien. Mais très propre pour cette équipe de Voilà. Saint-Paul qui. Paul Persillon qui vient en premier, ça enchaîne en suivant avec Antoine Bonpan. Oui. Antoine Bonpan qui résiste. C'est un second ligne qui a beaucoup de gaz, qui n'était pas très physique, mais qui a beaucoup de gaz. Donc c'est pour ça qu'il est toujours avec l'équipe 1. Avec toujours les Saint-Paulois qui sont à l'attaque, toujours à la manœuvre. Donc Larrieux qui remonte bien ses ballons. On ouvre sur Argel qui va de nouveau prendre sur un premier centre.
Donc de nouveau encore Larrieux. Attention, Argel qui a porté ce ballon mais qui ne l'a pas donné parce qu'il a vu que la défense était. Ça, c'est l'expérience. Avec Diaby Doucouré qui est allé au contact, qui est bien pris, mais le bleu n'arrive pas à sortir, donc ce sera une sanction, puisqu'il n'est pas sorti de, il s'est pas sorti de la zone de plaqueur. Et donc toujours Saint-Paul à l'attaque avec le numéro 13 qui se fait arracher le ballon, mais il y avait première faute donc de Souston. Et Souston qui va subir sa première pénalité, puisque le plaqueur n'a pas réussi à se dégager de cette... nasse de joueurs roses qui sont montés à la protection de leur porteur de balle. Et c'est très difficile de sortir de ces endroits-là, Jean-Pierre, quand tu as tout le poids des équipes dessus. Bah, tu vois qu'au bout de 5 minutes, Benoît, on a vu deux équipes qui essayaient de faire bouger le ballon aussi latéralement que dans l'axe. On a deux grosses premières lignes, deux premières lignes solides et deux secondes lignes aussi, et des troisièmes lignes des deux côtés qui sont très intéressantes. On a vu beaucoup de ballons qui ont changé de merle. Hein. Avec le coup de pied du numéro 15, donc Lang, David, qui rate, David Lang qui a raté ce premier coup de pied. Qui rate ce premier coup de pied qui en théorie était assez simple, mais qui, par le fait de son manque de puissance, s'est complètement dévié des poteaux et passé complètement à droite. Donc Saint-Paul reste à zéro et ça permet à Souston de faire un renvoi au 22, avec un renvoi au 22 très long qui est donné directement à leur attention, numéro 8. C'est donc, Lucas Berdoy qui avait fait un très gros match la semaine dernière contre le BTS. Et toujours voilà. Un Soustonné qui sort pas, qui se fait emprisonner par le soutien des Roses, qui ne se prive pas de le garder. C'est vrai que Lucas Berdoy, qui est allé loin devant, c'est Vincent Sox qui s'est fait prier. N'a pas permis à Sox de pouvoir sortir. Il estime qu'il est tenu, mais il doit rebondir sur le plaquage, il doit se dégager tout de suite, il n'aura pas le temps d'être tenu. C'est la roublardise hein, de certains gros et qui sont capables de te tenir au sol. Mmh. On va voir cette première touche. Est-ce que ça va être une complète? Est-ce que Bad Bedat au lancé. Ça reste, à mon avis, dans un premier temps, une complète pour le SPS. Avec un alignement complet, ouais. Vous voyez sur les images, hein, avec un relayeur Berdoy qui donc ça voulait dire que le ballon allait être porté, mais l'arbitre estime que cette touche n'est pas droite et ce sera une mêlée à la demande des Soustonnais. Puisqu'ils ont la possibilité sur cette action de jeu de ou de prendre une touche ou de prendre une mêlée, ils ont choisi la mêlée. On voit de plus en plus, Benoît, toi qui es un spécialiste du jeu d'avant, au niveau des touches, les piliers pour qui verrouillent parce que c'est de suite un soutien. Avant, on les faisait venir de devant pour aller soutenir le sauteur derrière, alors que là, il est déjà sur place, donc ça permet de verrouiller un peu si on veut faire un ballon porté. Ça permet de verrouiller le sauteur. On voit aussi qu'au niveau de la défense saint-pauloise. Grosse mêlée de Souston qui est sorti, qui dégage sur le premier centre, donc qui va porter ce ballon. La défense, attention parce que peut-être que... Saint-Paul a récupéré le ballon par l'intermédiaire de Berdoy. Berdoy qui arrive, ça connecte. Attention, voilà, pénalité. La connexion des Saint-Paulois s'est faite avec un léger retard sur Lucas Berdoy. Et je crois que c'est Vincent Sox qui a été se faire une petite justice par rapport à... qui a bien gratté ce ballon. Oui, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, Jean-Pierre, que ce soit au niveau national, qu'au niveau international, et même maintenant, on le voit maintenant au niveau de ces rugby amateurs, c'est que sur les entraînements, il y a des positions de plaqueurs qui sont travaillées afin que le premier soutien puisse venir arracher le ballon. Et aujourd'hui, c'est une phase de jeu qui est pourvue de beaucoup de pénalités et ça permet à beaucoup d'équipes de pouvoir s'avancer et de ne pas se faire manger avec un lancer directement sur le Soustonné. Mais l'arbitre estime que le lancer n'a pas fait 5 mètres. Il a fait deux fois le signe de. Il a fait un mauvais appel au niveau de. Un mauvais lancer et c'est ça qui est sanctionné. Avec donc le ballon qui est écarté de suite par les Saint-Paulois, avec un en avant de Rose qui est.
qui n'est pas récupéré par les Bleus. Et donc, c'est cette équipe attachée avec un blessé, le numéro 8, je pense, c'était Saint-Paul qui reste au sol, avec le soigneur qui doit intervenir. Et visiblement, c'est ou un claquage ou une béquille, mais il se plaint de la cuisse. C'est-à-dire que Lucas Berdoy se livre énormément au niveau des impacts, et donc peut-être, ouais, une béquille. Et de prendre une béquille. Ils ont voulu enchaîner, sauf que la dernière passe, elle est arrivée sur la tête du joueur. Mais les deux équipes sont en place, Souston est bien en place défensivement aussi. Et Florian Argel vient aux nouvelles. Tu crois qu'il vient nous vielle ou tu crois qu'il vient demander quelque chose, de venir dire quelque chose à l'arbitre? Ah, peut-être un peu des deux. Ouais, il en a le droit, hein, c'est le capitaine, hein, donc il a le droit de poser une question à l'arbitre, il se fera un plaisir de lui répondre. Mais visiblement, nous avons le numéro 8, Lucas Berdoy, qui n'est pas si bien que ça, qui a mal à la jambe. Bon, on voit. Il reprend sa place en trottinant, en boitillant un peu. On voit qu'il est strappé au niveau du genou, de cette même jambe. Il ne faudrait pas qu'il ait eu mal à ce niveau-là. Il y a assez de blessés maintenant au niveau des joueurs. On voit que Souston, sur la mêlée précédente, avait pris un peu le dessus. Oui. C'est-à-dire peut-être que Julien Lassalle avait réussi à introduire peut-être sur le coup de rein, et là non, voilà, c'est beaucoup plus stable, mais bon, on voit que Jean Balaguin a fait l'effort nécessaire. Et alors Julien qui prend le trou et qui est repris par la troisième ligne. Souston qui porte ce ballon, qui réécarte de nouveau avec la défense de Saint-Paul qui est en place. Donc les Saint-Paulois qui se mettent en ligne. Donc Souston qui écarte de nouveau avec Sarouille, avec le ballon qui est arrivé à l'aile, donc sur Lopez Alexandre, qui a été projeté en touche. Et donc c'est une touche qui sera donnée. Alors là, on a vu quand même un peu d'expérience par rapport à la troisième ligne que tu disais tout à l'heure, Doucouré Diaby, qui a été quand même un peu aspiré par cette mêlée qui a reculé et qui est quand même venu en travers rechercher Julien Lassalle. Ça veut dire qu'il a des cannes, le petit, avec un lancé donc pour Saint-Paul qui a été justement dévié avec Argel. Attention, qui va créer un point de fixation, toujours avec Berdoy, mais qui lâche ce ballon. Il y en avant, récupéré par Baptiste Latour qui récupère ce ballon, qui porte bien de nouveau. Donc il y a toujours un avantage par rapport à cet en avant. Julien qui tergiverse avec toujours le ballon avec les avant de Souston qui va porter ce ballon. Est-ce que le ballon était lâché? Non. Julien qui peut de nouveau écarter avec ce numéro 1. Thomas Dufour, qui était avancé. Avec toujours ces bleus qui vont récupérer ce ballon avec Théo Barada qui va récupérer ce ballon qui porte. Les Soussonnés qui font vivre ce ballon, le ballon qui avec par le numéro 7 qui est donné avec une fête de passe, donc toute la troisième ligne qui a participé donc à cette attaque. Les Soussonnés qui sont un peu à plat, attention, et voilà, quand on est à plat, on récupère mal les ballons. Et ça profite à Saint-Paul. Saint-Paul Théo qui avait compris qu'il fallait aller très vite derrière, et Saint-Paul qui se dégage du pied, mais Théo Barada qui a récupéré ce nouveau play, et il va taper un drop. Non, ah bon. J'ai eu peur. Une chandelle, mais très très courte, donc ça oblige à tous les bleus à revenir en arrière. Et normalement, ils n'avaient plus le droit de jouer, mais l'arbitre n'a rien dit. Donc c'est Saint-Paul qui récupère de nouveau ce ballon et qui va se dégager avec Argel. Argel qui a vu qu'il n'y avait pas de couverture sur le terrain de l'autre côté là-bas et qui va essayer de trouver une touche, qui ne l'a pas trouvée. Avec de nouveau Julien Lassalle qui va récupérer ce ballon, mais la défense veille avec Diaby qui avait récupéré Julien Lassalle, mais Julien a réussi à protéger ce ballon avec les Soussonnés qui de nouveau vont créer un point de fixation afin de maintenir un peu cette défense de Saint-Paul et d'Ax, et qui vont sûrement se dégager par l'intermédiaire de Julien Lassalle qui tape un grand coup de pied devant avec le Florian Argel qui récupère ce ballon, qui va peut-être et lancer sa troisième ligne avec Berdoy qui est toujours à couverture. Il donne magnifiquement bien ce ballon au numéro 15 de Saint-Paul qui est pris par la défense soustonnaise. De nouveau, attention, parce que Saint-Paul s'est découvert, il n'y a plus de joueurs, un en avant de Saint-Paul, et c'est une mêlée qui sera donnée en cette équipe Souston. On a assisté là, Jean-Pierre, à 2 minutes de jeu avec quelques fautes et quelques maladresses, et quelques décisions un peu. Parce que le terrain s'est découvert complètement sur ce côté gauche là, et ça fait que Saint-Paul n'a pas pu profiter de ça. On a vu, comme tu l'as dit, 2 minutes de jeu intense. Hein.
comme quoi il n'y a pas qu'en haut où on est capable de tenir le ballon, ils l'ont tenu, même s'il y a eu des turnovers, ça a continué, toujours la volonté de faire vivre le ballon avec bon, des choix parfois un peu contestables, mais je pense qu'il doit avoir un petit peu le capot ouvert pour l'instant, parce que Ouais. quand on fait, disons, on dit 2 minutes, mais de haute intensité. Donc là, on va repartir sur une mêlée sous-stonnaise, une mêlée sous-stonnaise au niveau des 40, avec côté gauche Cédric Menjoulou, Baptiste Latour, Aurélien Sourouille, et sur le côté fermé Hugo Barada et Alexandre Lopez. Et juste parce que c'est juste les Montiel numéro 13 de Saint-Paul qui a fait deux ou trois petites erreurs de main chaque fois et Ou qui a Florian perdu. Argel qui s'est un peu troué. Et qui a permis donc à cette équipe de Saint-Paul de revenir toujours. Attention, qu'est-ce qu'il joue là? Et qui a permis à cette équipe de Souston de récupérer. Et on voit le drapeau de touche, là vous voyez actuellement le vent qui pousse pour Souston. Actuellement, bon, c'est vrai qu'ici on n'est pas loin de l'océan, donc il a le temps de bouger encore le vent. Mais il est vrai que là on voit le vent qui souffle dur sur ce côté de terrain. Mais là c'est une petite erreur. Argel qui s'est troué, hein, qui a pensé que la passe allait être faite. Et donc ça a donné un peu de. Il est monté un petit peu en retard pour récupérer ce ballon. Avec un beau ballon qui est récupéré par les Soustonnais directement par. C'est Ruben Demeyra, Tony, avec. Tony qui récupère ce ballon assez régulièrement, qu'on le voit dans le jeu ouvert. Avec un ballon qui est récupéré miraculeusement parce que la passe n'était pas très bien donnée. Et avec toujours ce ballon qui est remonté, avec Sorouyes qui porte ce ballon. Toujours Julien Lassalle qui de nouveau écarte avec le numéro 8 de Souston. Julien qui écarte de nouveau cette équipe qui n'est pas en surnombre, hein, Souston, au niveau défensif. Et on revient sur le côté intérieur avec toujours cette grosse défense. Le numéro 5 qui est allé récupérer ce joueur, le numéro 5, donc qui n'est autre que Garcia, qui est allé récupérer Soustonné en plaquant aux jambes à une vitesse grand V, et donc qui a fait que le Soustonné s'est retrouvé complètement esselé. Et c'est un Rose qui a mis les mains sur le ballon, qui va permettre à Saint-Paul, après cette phase de jeu très chaude pour eux, de pouvoir se dégager par l'intermédiaire de Florian Argel, qui trouve une petite touche après la ligne 22. Souston qui a fait un bel enchaînement de jeux. Peut-être que sur le dernier temps, il fallait jouer extérieur dans le sens, alors que là, ils sont revenus et Saint-Paul était encore en place. Oui, Il y avait oui, oui. encore des joueurs qui traînaient. Mais sinon, les intentions sont bonnes Avec côté un lancer soustonnais. toujours fond de touche pour les Saint-Paulois qui ont des difficultés en touche, qui ne trouvent pas, qui ne récupèrent pas le ballon et en plus qui concèdent donc un avantage sur un en avant. Souston qui est à l'attaque. Est-ce que l'arbitre va revenir? Ah ben il avait déjà signalé la fin de C'est l'avantage. Pierre Donc Paris qui l'a maintenant récupéré. c'est l'avantage pour les Roses de Saint-Paul qui attaquent depuis leur 22 avec le numéro 13 que je disais tout à l'heure. Montiel qui a porté ce ballon jusqu'à la ligne des 40 mètres avec Bon point. Bonpan qui s'est fait prendre donc, mais qui a réussi à sortir le ballon et à le remettre sur ses coéquipier et donc c'est de nouveau un ballon à terre avec un autre ballon de fixation numéro 1 Koufignal qui va au contact, grosse défense sous son qui l'empêche d'avancer et donc Saint-Paul qui va sûrement prendre la décision de se dégager au pied par l'intermédiaire de Larrieux. Larrieux qui tape un grand coup de pied par-dessus. Théo Barada est à la retombée et Théo qui va pouvoir relancer avec Timothée Hurest, ça repart dans les bras de Florian Argel qui lui va relancer, je pense. Et qui va. Voilà, et qui continuité du jeu, c'est intéressant, ça joue dans l'axe dans un premier temps. Connexion des joueurs, je pense Le qu'il y ballon a. Ça enchaîne, doit ça être écarté enchaîne. jusqu'au bout là, parce qu'il y a un Ça va surnombre. écarter avec David Lang. David Lang pour Florian. Florian Dulon. Et Florian Dulon. là, il y aura une pénalité, puisqu'il y a un plaquage haut. Et avec intention, Hugo Barada qui ne s'est pas baissé pour plaquer. Est-ce qu'il va y avoir un carton? Parce que c'était le dernier défenseur.
Il pourrait y avoir plus de sanctions qu'une simple pénalité. Attention, parce que c'est comme au foot. Et là, si vous êtes le dernier défenseur, vous pouvez prendre sur une faute intentionnelle un essai de pénalité. Donc, on a vu sur cette action, Benoît, que... Voilà, Théo ne s'est pas baissé, on le voit faire. Hein, il est très costaud, Théo, donc c'est vrai que... Voilà. Et Théo, ben voilà, Théo qui prend un jaune, hein, c'est la règle. Hein. C'est la règle. Les derniers joueurs, il pourrait y avoir même un essai de pénalité. Après, on a vu, Benoît, que sur cette action, notamment Saint-Paul, en écartant le ballon, le jeu devient très intéressant. Et parce que ce qu'on dit souvent, c'est que la notion de la passe de plus manque beaucoup, alors qu'on le voit, si on fait une passe de plus, ça enchaîne. Et ça a été intéressant. Il faut dire que c'est Florian Argel qui a été l'élément déclencheur de cette relance. Attention, parce que là, les Saint-Paulois, ils ont préféré prendre une touche. Ça veut dire qu'ils se sentent forts, mais c'est vrai qu'au niveau des lancers, quand même, ils ont loupé presque 3 sur 4 au niveau des lancers de touche. Alors, est-ce qu'ils vont assurer avec toujours un fond de touche? Ils font Pierre toujours Paris. La même touche, avec cette touche qui est bien portée. Et toujours Bergoyet qui porte ce ballon, qui va... Attention, le ballon qui est au sol. Et le numéro 9 de Saint-Paul, Larieux, qui a vu qu'il y avait un petit trou, puisqu'il n'y avait pas de couverture au niveau de la défense, au niveau du môle. Et donc, il n'y avait personne qui surveillait cette bordure. Regardez, on va voir l'image. Vous avez le 8 qui va prendre, qui va fixer toute cette défense. Et vous avez toute la défense qui glisse. Et Larieux qui a très bien compris qu'il y avait tout le monde qui était parti à l'extérieur. Et Larieux qui va prendre à l'intérieur et qui va revenir. Sous les poteaux pour s'assurer de ces points, c'est une décision gagnante qu'ils ont pris de prendre ce pénalty en touche, la preuve, parce qu'il y a des fois, ça marche bien. Sachant que Souston a délaissé ce qu'on appelle la cellule défensive proche, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec des espaces ouverts. Et comme tu l'as dit justement, Paul Larieux est venu comme un roublard passer au milieu. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est Clément Badbedat au talon qui a de l'expérience à ce niveau, mais Rémi Pascoe est suspendu pour un match puisqu'il avait pris un rouge contre Ajetmo. Contre le Boucau, pardon. C'est ça. Et à Souston, Léo Huberti a pris un carton rouge la semaine dernière. Avec donc cet essai donc de Larieux et avec une transformation qui a été par Argel, donc ce qui permet à Saint-Paul de passer devant 7-3. Avec coup d'envoi, alors que c'est Garcia qui récupère ce ballon, qui va au sol, Saint-Paul qui va sûrement se dégager. Non, de nouveau un point de fixation avec Cofignal qui a le ballon, qui va créer un point de fixation. Larieux qui demande à ses avants de venir le protéger pour qu'il puisse reculer le maximum de la défense et qui va taper par-dessus. Un coup de pied un peu long pour mettre la pression, c'est compliqué et le jeu au pied était compliqué. Il va y avoir une pénalité à mon avis. Voilà. Pénalité pour Souston. Alors, j'avoue que... Alors que Souston a un joueur qui reste au sol, mais qui se relève. Donc c'était pénalité qui va être tentée. Visiblement, c'est le plaqueur qui a tenu le joueur au sol et qui a empêché le ballon de sortir rapidement. Donc... C'est Timothée Urès qui est à la commande de ce but, qui va essayer de taper, de placer cette pénalité. Timothée Urès qui est un très bon buteur. Il faut se rappeler que c'est quelqu'un qui revient d'une grave blessure qu'il avait eue l'année dernière, au niveau du tibia péroné, me semble-t-il, et qui revient... Non, elle va passer à droite des poteaux. Et donc à la 24e minute, bientôt à la 25e, le Saint-Paul Sport mène à Souston 7-3. C'est dommage parce que tout à l'heure, Hugo avait tapé une très belle pénalité et non pas, il n'a pas remis ça. J'ai du mal à comprendre cette décision-là.
Donc avec le ballon qui est par la tour, qui est pris par les jambes, donc il n'y a pas d'en avant. Toujours Saint-Paul qui monte rapidement, hein, il n'y a pas de hors-jeu puisqu'il non, était monté très rapidement. Et puis le ballon était sorti, donc il y a... Il n'y a, y a pas du tout hors-jeu. Bon, Antoine Bonpont, toujours à la pointe du combat, comme d'habitude. Hein. Tony Rubat de Mera, attention. Avec un ballon qui est lâché devant, qui avait été récupéré par les Roses, mais l'arbitre avait sifflé. Et ce sera une mêlée donc pour Saint-Paul et Dax. Saint-Paul qui, en mettant la pression défensive, récupère pas mal de ballons quand même. Eh bien, on voit Antoine Bonpont, Diaby Doucouré et Lucas Berdoy qui s'activent, et Jordan Dulon aussi qui s'active énormément sur le terrain. Malgré que Alexandre Lopez avait mis un peu le feu dans cette défense, il avait réussi à se sortir de deux ou trois plaquages. Mais après, Saint-Paul se remet vite en ligne, qui se replace très vite. On voit des défenses des débuts de match, Jean-Pierre, où tout le monde se replace très vite, personne n'est fatigué, donc c'est très difficile de faire le jeu derrière, avec une mêlée de nouveau. Le ballon qui est sorti par les Saint-Paulois, qui est une mêlée qui est assez sûre, avec Bergoy qui porte ce ballon. Pour Montiel, donc, Montiel pour qui est très solide. Attention, Montiel qui est plaqué par le maillot, qui est aussi interdit. Argel qui écarte de nouveau. Saint-Paul qui insiste et qui porte tous ses ballons, qui ne se dégage pas au pied et qui pourrait... Attention, l'arbitre demande à ce que les mains soient sorties du ballon. C'est toujours Saint-Paul qui est à l'attaque, avec toujours par ses avants, toujours le numéro 8, qui est omniprésent là, dans le jeu. Et la défense de Souston qui met les mains sur le ballon, et qui récupère de nouveau ce ballon. Une pénalité qui sera pour Saint-Paul. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre le jeu de Saint-Paul qui ne veut pas se sortir de sa zone au pied. Peut-être tout à l'heure, Benoît, je regardais un peu le drapeau, ils avaient vent contre. Oui. Donc on voit des fois les drapeaux qui bougent, alors ça peut être une explication. Oui. Après, peut-être qu'ils veulent pas, ils ont peur des contre-attaques soustonnaises, donc ils veulent peut-être pas leur donner de ballon à relancer directement. Donc c'est peut-être stratégique dans un premier temps. Avec une touche qui sera à jouer pour les Soustonnais, ils sont environ à 10 mètres à la ligne de but de Saint-Paul-et-Dax. C'est vrai que quand l'arbitre de touche va lever le drapeau, on voit qu'il y a beaucoup de vent pour cette équipe de Souston, ce qui peut leur permettre d'avancer sereinement au niveau du pied. Et donc avec au lancer d'Armaillac, Guillaume... Guillaume d'Armaillac, excellent talonneur. Avec un alignement complet. Demerac qui est premier sauteur qui récupère ce ballon. Mais l'arbitre estime qu'il y a eu un en avant. Donc même si le sauteur a été un peu gêné, mais peut-être que les deux sauteurs étaient l'un contre l'autre. Il a été un peu gêné, mais je pense aussi que les soutiens de Tony Rubat de Mera ne l'ont pas bien maintenu. Toi qui es un spécialiste, Benoît, on l'a vu dans les airs un petit peu. Hein. Oui. Et c'est un joueur qui a besoin de soins. L'arbitre arrête le cours du jeu. Visiblement, on refait les lacets. Hein. C'est que les lacets. C'est que les lacets qu'ils ont à refaire. Donc, Saint-Paul qui va récupérer donc une mêlée. Et on va voir s'ils vont se dégager au pied ou pas, Jean-Pierre. C'est vrai qu'on voit le drapeau de touche là-bas qui bouge dans tous les sens. Ouais, tu vois, le vent se lève parfois et donc ça peut être compliqué. Mais... On avait laissé Florian Argel là, il y a trois semaines avec une grosse entaille au niveau du genou qui visiblement a bien récupéré. C'était impressionnant, on avait vu des photos. Oui, c'est vrai, et effectivement, il avait pris une belle entaille. Peut-être ce qui l'a peut-être sauvé, c'est que le tendon n'était peut-être pas touché. Attention, voilà. Larieux qui a réussi à contourner cette mêlée puisque la troisième ligne était restée poussée. Équipe Saint-Paul. Saint-Paul qui de nouveau porte le ballon. Attention, puisque Larieux toujours à la commande avec Garcia qui est prêt à récupérer ce ballon. Et non, là, il préfère donner sur Argel. Argel qui était dégagé derrière et qui va trouver une touche qui va leur permettre de se dégager des 22 mètres de leur camp avec toujours beaucoup de vent qui souffle. On le voit sur le drapeau de touche. Ouais. On n'a pas vu de touche raccourcie encore, Benoît. Non. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure du... Mais il y a des adeptes des touches raccourcies et il y a des équipes qui ne le sont pas. Oui. Et là, nous en sommes à la 28e minute où avec un lancer très, très profond,
Le ballon est récupéré par les Saint-Paulois avec un avantage sur un avant bleu. Donc les Saint-Paulois qui jouent de nouveau sur l'aile, qui vont réussir à apporter le ballon. Mais c'est une touche. Donc on va revenir sur la première faute. De nouveau un avant bleu. Et Souston qui n'arrive pas à mettre son jeu en place, qui est un peu bloqué. Donc ça fait qu'on a beaucoup de jeux hachés. Et c'est vrai que les 5-10 premières minutes qui nous ont un peu enchantés, Jean-Pierre, on les oublie vite, puisque là, ça fait 10 minutes que c'est du jeu haché. Aucune des deux équipes n'arrive à faire du jeu. Et chacun essaye de maîtriser, peut-être de jouer aussi des fois petit bras, hein, parce que là, il faut... La peur de perdre, hein, la peur de prendre un essai. Après, Saint-Paul vient ici sans aucune appréhension. Il faut dire que Souston est à 14 aussi pour l'instant. Avec cette équipe Saint-Paul qui réussit et à remonter Berdoy qui est encore... Berdoy. Avec un en avant des Roses qui avait été sifflé par les spectateurs avant l'arbitre. Hein, donc avec les Hugo Barada qui fait de nouveau son entrée. Souston qui revient à 15 contre 15. C'est vrai que Souston était à 14, mais bon, c'est vrai que ça ne s'est pas beaucoup vu, puisque, à part l'essai qui a été pris de suite par rapport à l'action de jeu qu'a fait Hugo, depuis, Souston campe dans le camp de Saint-Paul et Dax, mais Souston n'arrive pas à mettre des points. Oui, c'est compliqué. On part d'une mêlée dans les 40 mètres Saint-Paulois, mêlée pour Souston, avec côté gauche. Cédric Menjoulou, Baptiste Latour, Aurélien Sourouille et de l'autre côté Hugo Barada et Alexandre Lopez. Ça va partir de l'autre côté, voilà, avec Baptiste Latour qui va essayer de rentrer entre les deux, qui donne à Aurélien Sourouille qui essaye de tenir debout. Point de connexion, ça enchaîne avec Léo Velzer qui a cassé un plaquage. On enchaîne encore avec Julien Lassalle, Cédric Menjoulou qui donne à Thomas Dufour, libération de la balle. On inverse le sens avec Sox qui revient sur le fermé. Ça va re-enchaîner côté ouvert avec contest du ballon, pénalité. Ça c'est une faute stupide, hein. Voilà. Ça ne servait à rien de faire ça. C'est parce que Souston qui perdait du temps, c'est vrai que, attention, Julien Lassalle qui joue rapidement le ballon. Donc il y aura peut-être un carton au niveau de la défense, puisque la défense est allée plaquer Julien Lassalle alors qu'il n'était pas à 10 mètres. Et de nouveau ce ballon qui est écarté. Et voilà, c'est ce que va faire l'arbitre. Il va mettre la main à la poche et il va sortir un joueur de Saint-Paul et Dax, je pense, puisque Julien Lassalle qui a joué rapidement n'a pas permis est-ce que c'est Larieux qui va être sorti? Un bon capitaine Théo Velzer qui va réclamer la faute. Et donc c'est peut-être Garcia, le numéro 5 de Saint-Paul et Dax, qui va payer Florian Garcia, qui va payer d'un petit carton. La faute d'anticipation du plaquage, puisqu'il n'était pas à 10 mètres, il n'avait pas fait action de repli. Et la biscotte sera jaune. Et donc actuellement, c'est Souston qui va se retrouver à 15 contre 14. Non, c'est Pierre Paris, Benoît, on s'est trompé. Il me semble que c'est Pierre Paris. Oui, c'est lui. C'est Pierre Paris qui a été pris par la patrouille et voilà, qui est sanctionné. Et Souston qui joue à la main. Voilà, alors qui va de nouveau porter ce ballon, qui envoie la guerre directement. Mais l'arbitre estime que le ballon n'a pas franchi la ligne. Hein. Et qu'est-ce que va dire l'arbitre? Et monsieur l'arbitre, qui accorde l'essai à... Ouais, très tardivement, c'est vrai que visiblement, les joueurs roses ne sont pas d'accord. Ici, sur les images, on ne peut rien voir. Hein. On voit pas du tout le ballon. Donc, si l'arbitre a décidé autrement, il y a essai. Avec Souston qui va le permettre de prendre l'avantage. Hein, Souston qui va passer à 8 points en attendant la transformation. Au bout de 33 minutes de jeu, c'est dur quand même pour Souston. Mais c'est exactement la même sanction qu'a eu les Soustonnais tout à l'heure. Hein, avec ce carton blanc qui est sorti sur la faute du Soustonnais tout à l'heure. Et qui est du Saint-Paulois tout à l'heure et qui permet donc à Souston de prendre la marque et de mener
On va donner cet essai à Jean-Baptiste Laguin, peut-être. Oui, je pense que c'est Jean-Ba qui est allé là directement. Ouais. Jean-Ba Laguin. Ils nous ont fait un coup franc à la casse 13, on va dire. Voilà. Et Hugo qui revient donc. Et Hugo qui met 3 points de plus. Voilà. 2 points de plus, Jean-Pierre. Oui, 2 points de plus. Donc, ce qui fait que Souston mène 10-7. Donc, devant cette équipe Saint-Paul. Et en effet, nous en sommes à la 34e minute de jeu. Et donc. 10-7 pour 17. Souston. Florian Argel à la baguette. Un renvoi près de la touche qui est capté par Bastien Faure. Julien Lassalle essaye d'extraire le ballon, ça va repartir avec Sartou. C'est un très beau renvoi et qui oblige donc les Soustonnais à rester dans leur camp. Et c'est très bien joué de la part de Florian Argel. Ça, dans toutes les écoles de rugby, on l'apprend. Si on met le ballon au ras de la touche, il suffit d'arriver en arc de cercle sur ce porteur de balle et on empêche cette équipe de faire le jeu. Donc, que va faire cette équipe de Saint-Paul? Alors, c'est un peu le principe du filet de pêche. Hein. Voilà, donc, sachant qu'ils sont en moins. Et donc, c'est Florian Argel qui s'approche et qui va tenter cette pénalité. Peut-être Paul Persillon, qui est un bon buteur qui va s'y coller. Oui, c'est lui, c'est Paul qui arrive. Et... on a vu aussi que c'est Jordan Dulot qui était au contest, oui. Qui a bien contesté ce ballon. Et voilà. Et de suite, Saint-Paul remet la pression dans le camp soustonnais. Tactiquement, c'était bien joué. Maintenant, le ballon n'est pas entre les poteaux, donc rien n'est perdu. Mais ça pourrait permettre aux deux équipes d'être sur la même marque. Et elle est belle, elle va passer. Elle va passer, donc beaucoup de pieds qui est à passer entre les poteaux, et ce qui permet à Saint-Paul de revenir à la hauteur de Souston. Donc 10 partout avec contre cette équipe Souston. Donc 36e minute. 36e donc, minute, tout est indécis encore, tout est à faire. Score de parité. Renvoie Cédric Menjoulou. Renvoie... Eh bien, il essaye de faire le même qu'a fait Saint-Paul, Paul Persillon avec son pied gauche. Qui était dans les 22, qui pouvait dégager directement. Voilà. Il s'est dégagé de suite. Voilà, qui n'a pas perdu de temps à transformer le jeu. Il avait l'espace. Il n'avait pas de pression sur lui. Donc, très justement, il est sorti de son camp. On repart d'une touche. La première touche incomplète, Benoît. Oui, avec un relayeur avant, donc ça veut dire que le ballon va être gardé. Voilà. C'est exactement ça. Donc toujours les 3 quarts à 10 mètres. Maintenant, l'arbitre a le baissé des bras. La défense peut avancer. Donc Saint-Paul qui met une belle opposition. Les Soustonnais qui portent ce ballon, qui sont obligés de dégager. Attention, parce que là, il y a un joueur qui s'est peut-être un peu assommé. Et donc c'est le cas. L'arbitre l'a vu. Donc il laisse passer l'action. Mais je pense que le joueur, il va y avoir un protocole. Oui, avec, c'est un centre qui manque. Et Hugo qui oublie le ballon au passage. Avec donc de nouveau les Soustonnais qui portent ce ballon. Attention, parce que là, ils vont vers l'extérieur. Il n'y a plus personne. Avec numéro 8, Sartou qui attention, ça plonge du côté des Bleus. Et là-bas les Bleus qui demandaient ce ballon, la défense qui veille avec ce diable de... que dit l'arbitre? Il met une pénalité pour les Soustonnais. Oui, il estime que le joueur regardé n'est pas sorti de suite au niveau de la zone de plaquage. Bon, mais c'est vrai que c'est un peu sévère puisque l'action était toujours en mouvement, donc. C'est une pénalité que récupèrent les Soustonnais avec, là on a vu tout à l'heure le numéro 13 donc, qui s'est fait éteindre un peu sur la percussion, Montiel là-bas sur la touche et après au niveau de la défense il n'était plus dans sa ligne. Hein, c'est ça. Puisqu'il a passé, il avait mis un genou à terre pendant un petit moment et visiblement il a récupéré. Il va se replacer en marchant là-bas, il avait besoin de souffler un peu avec Hugo Barada à la commande pour cette pénalité. Il y avait une belle attaque soustonnaise aussi. Oui, oui, oui. Et Hugo... La passe était un peu derrière. Hugo a pensé à son action avant d'avoir le ballon. Avec un beau coup de pied qui va passer entre les poteaux.
Ce qui permet à Souston de nouveau reprendre la marque et de mener 13 à 10 contre cette équipe de Saint-Paul et Dax. Hugo qui est un excellent artificier de loin, hein. Il a pas beaucoup de. Il a un très haut pourcentage de sur ses tirs de loin, Hugo. Oui, très bon artilleur. Avec de nouveau un coup de renvoi, mais là qui est donné un peu plus dans le centre. Donc avec la balle qui est récupérée par le numéro 8. Et non, mais le ballon était, il avait le droit d'avancer, il est passé par la porte. Donc avec mais Souston qui a récupéré ce ballon, avec Hugo à l'attaque, qui porte ce ballon, qui a réussi à redonner. Non, le ballon est ressorti. Attention à la défense de ne pas se faire avoir. Et voilà, c'est Julien Lassalle qui a lâché ce ballon sur le plaquage. Le ballon qui est récupéré par les Saint-Paulois. Les Saint-Paulois qui sont obligés de ralentir le jeu, puisqu'ils n'étaient pas en place pour attaquer. Ensuite, là, c'est la seconde ligne donc, qui va récupérer ce ballon, avec toujours Larieux qui porte ce ballon. Et donc, Argel qui tape par-dessus pour numéro 14 de Souston. Et là, on va demander la vidéo. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il revient à la, est-ce que à la je première pense, action. Et oui, parce qu'il pense que le joueur était devant. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on en ralentit? Non, ben, on n'a pas d'image, d'image de Canal+. C'était très limite, mais je pense qu'il était un peu devant. Oui, il était sûrement un peu devant, donc l'arbitre l'a vu, il revient à la première donc faute. Il est revenu à la première faute qui était un en avant, donc mêlé pour le SPS. Merci à la technique pour les images du ralenti. Et c'est une mêlée qui va revenir donc pour Saint-Paul. Saint-Paul qui, en mettant la pression, a obligé Souston à faire une faute. Et donc, il reste 0 minutes. C'est la dernière action. C'est la dernière action. Avec, je rappelle que Saint-Paul, ils sont à 7 devant. Et donc, ça veut dire qu'il y a un joueur de Souston qui a dû se détacher, puisqu'il faut un équilibre parfait au niveau des joueurs. Et ce ballon qui est de nouveau écarté avec Persillon qui écarte. Attention, le ballon qui est porté avec un petit plaquage là de qui était un peu tardif, mais l'arbitre donne de nouveau une pénalité avec un ballon qui est gardé au sol. Un excellent grattage oui. Des Soustonnais. On a vu Baptiste Latour là, qui avait donné un bon plaquage sur un joueur de Saint-Paul avec un pas tout à fait. Le ballon était déjà parti. Et visiblement, le délégué est en discussion avec les coachs de Saint-Paul. Mais Souston en profite pour se rapprocher. Le temps normalement est terminé, mais sur la pénalité, Souston décide de se rapprocher, trouve une touche dans le camp de Saint-Paul et peut-être récupérer quelques points avant de rentrer au vestiaire. Oui, Benoît, effectivement. Avec Darmaillac à la commande. Touche raccourcie encore. Toujours raccourcie avec Bastien Fort en relais. Bastien Fort en relais, donc c'est toujours pour un ballon porté. Ils veulent sûrement. Faire une faute à Saint-Paul et Dax. C'est Darmaillac qui sort de ce regroupement. Le ballon qui est arraché par Larieux. Attention, le ballon qui est donné en arrière. Et c'est un coup de pied qui est tapé par Saint-Paul, qui est récupéré par Hugo Barada. Une grande chandelle comme il sait les faire. Argel qui récupère ce ballon avec pas de problème. Donc, Langue pour Persillon. Persillon avec ses petits appuis. Qui va très vite et qui est très difficile à prendre. Saint-Paul qui est dans le camp de Souston, qui attaque avec Argel de nouveau. Avec Bargoy qui porte ce ballon, le numéro 8. Le ballon qui est protégé avec de nouveau Argel. Avec numéro 12 donc, de Saint-Paul qui va passer dans un trou de souris. C'est Troussier. Troussier qui y aura un avantage donc pour cette équipe de Saint-Paul et Dax qui va peut-être en profiter pour c'est un avantage pour une pénalité. Il estime l'arbitre que la défense n'est pas sortie assez tôt de la zone de ballon et donc l'arbitre qui a sifflé qui revient sur l'avantage qui va signaler la faute au bleu et qui va siffler une pénalité pour cette équipe de Saint-Paul Sport. Saint-Paul Sport qui va pouvoir peut-être la pénalité qui on a vu même sur le temps d'avant le temps de jeu d'avant que Alexandre Lopez était hors jeu, légèrement hors jeu, mais il était. Monsieur l'arbitre a laissé continuer le jeu, mais voilà. Et donc
Et donc ça va peut-être permettre à Saint-Paul et Dax de dernière la pénalité de cette première mi-temps, puisque nous avons dépassé le temps de jeu depuis un petit moment. Et donc c'est Persillon qui se remet au tee et qui va tenter cette pénalité, ce qui permettrait aux deux équipes de rentrer au vestiaire sur un score de parité. Oui, sur un score de parité qui Autant au niveau du jeu qu'au niveau des points. Hein. voilà, autant au niveau du jeu, on a vu des choses intéressantes de chaque côté en première mi-temps, avec notamment une phase vers la 30e où ça n'a pas trop bougé. Avec le coup de pied qui est raté. Qui est Et raté. donc, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Et donc, c'est une mi-temps qui se solde sur le score de 13 à 10 pour Saint-Paul. On a vu Jean-Pierre Saint-Paul qui a raté vraiment 6 points très faciles. Donc, Souston qui en a profité. Hein, mais on n'a pas l'impression que c'est. On n'a pas l'impression que Souston joue à la maison, puisque c'est Saint-Paul qui met presque plus de pression que les Saint-Paulois. Mais Saint-Paul qui a fait une bonne première mi-temps, Souston qui a eu quelques occasions qu'ils ont pas mis au fond. Et après, Saint-Paul a su exploiter un 2-3 turnovers de jeu et jouer dans le camp soustonnais. Après, la maîtrise, elle est le score de pas de parité, mais Saint-Paul n'est pas loin au score et Souston mène à la maison quand même 13-10. Oui, c'est vrai que attention aux maladresses pour Saint-Paul, puisque pour le moment ils ont que 3 points de retard, mais c'est vrai que ça a permis à Souston d'être devant à cette mi-temps. Donc, on leur souhaite bon repos et n'oublions pas que Saint-Paul va revenir avec le vent. Ok. Donc, on vous donne rendez-vous en deuxième mi-temps dans 10 minutes environ.
deux équipes qui rentrent sur le terrain. Donc, on va vous en suivre la deuxième mi-temps de ce match passionnant entre Souston, ici au stade Rémy Goualard, en compagnie de Jean-Pierre qui reçoit cette équipe Saint-Paul-et-Dax. Saint-Paul-et-Dax qui aujourd'hui, inhabituellement, mais est habillé en rose et donc qui sera sur la gauche de votre écran. Je rappelle le score, donc Souston mène 13 à 10 donc, devant cette équipe Saint-Paul. On a assisté, Jean-Pierre, à une première manche très très disputée, hein, donc on va dire 50-50 au niveau du jeu. Et donc Saint-Paul qui va récupérer peut-être un peu le vent, et non, visiblement il est en train de tourner. Donc on verra après au niveau des coups de pied. Saint-Paul qui a manqué deux coups de pied assez faciles qui auraient pu leur permettre d'être devant. Je rappelle Saint-Paul Sport qui a eu une semaine un peu mouvementée puisque le manager général Jean-Michel Gonzalez a démissionné de son poste, mais qui a beaucoup travaillé au niveau d'entraînement et donc qui mène actuellement l'adresse haute à cette équipe de Souston qui est à la maison, qui doit faire le jeu afin de peut-être se mettre à l'abri avec donc une attaque plein champ sur la défense. Donc c'est un ballon qui a été touché par les. Il y aura un avantage donc, par rapport à un avant de Rose qui a été touché donc par un joueur au niveau de la défense. À noter Benoît qu'il y a eu des changements. Je vois que Thibaut Lafitte est rentré au poste de pilier à la place de Thomas Dufour. Ah oui. On le voit. Je regarde côté Saint-Paulois, pas forcément de changement. Cédric Manjoulou, long jeu au pied sur Lucas Berdoy qui donne à David Lang. David Lang qui essaye de rentrer mais qui perd le ballon. C'est un turnover pour Souston. Souston qui va écarter le ballon pour Timothée Hurès. C'est dommage, il y avait de la place. Il donne à Paul Persillon. Qui a une belle couverture. Qui dans Argel qui porte ce ballon, qui tape par-dessus avec une touche directe. Donc toujours des maladresses du côté de Saint-Paul. On a vu le ballon qui a été écarté sur l'aile, là, extérieur. Et donc Souston qui n'a pas réussi à mettre tout à fait son jeu en place. Et Thibaut Lafitte que vous voyez là, en premier, là, qui venir se placer, donc le numéro 18 de venir se placer sur la touche, vient de faire son entrée, effectivement, Jean-Pierre. Avec une touche raccourcie, 4 joueurs. Et un ballon qui est rapidement joué. C'est Geoffrey Demera qui a récupéré ce ballon avec Thibaut qui tourne dans ce ballon, qui donne un lancer sur Sylvain. C'est Sylvain, non, la salle qui est rentrée, non ? Sylvain Lassalle est rentré aussi, me semble-t-il. Ça enchaîne avec Baptiste Latour. Baptiste Latour, Aurélien Sourouille qui essaye de tenir debout, mais Diaby Doucouré est arrivé, mais il a été au-delà du ballon. Je crois qu'il a... Alors là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Un accrochage ? Un petit accrochage. Ouais. Évidemment, les lacets se sont emmêlés. C'était dommage, Benoît, sur la phase où Timothée Hurès, il y avait vraiment de l'espace. Et on revient toujours à ce qu'on dit, à cette passe de plus, parce qu'il avait à côté de lui Darmaillac, il avait un ailier, Darmaillac qui est très bon ballon en main. Et c'est vraiment dommage de donner une munition, sachant que tu tapes sur Paul Persillon, qui est un excellent joueur, qui de suite a essayé de remettre la pression dans le camp soustonnais. Ouais. Je crois qu'il a convoqué les deux capitaines pour une petite mise au point. Il estime qu'il y a trop de fautes au niveau de ses regroupements et que le joueur joue le jeu de se dégager directement. Donc c'est une pénalité qui est donnée à cette équipe de Souston qui va leur permettre d'avancer dans le camp de Saint-Paul-et-Dax. Est-ce qu'ils vont trouver la touche ? Il y a un joueur qui a tapé le ballon et l'arbitre estime qu'il y a un en avant. Rose, donc en tapant ce ballon, il a été tapé vers devant, ce qui est logique. Et donc c'est une mêlée qui a d'être donnée au bleu avec Julien Lassalle qui demande le ballon. On voit qu'il est rentré Thibaut Lafitte et Sylvain Lassalle a pris la place de... Donc qui c'est qui est sorti? Et visiblement c'est Sox qui serait sorti. Ouais. Puisque je vois que Sartou est en 8. Sox qui reprenait... Le capitaine est toujours là. Donc c'est Sox qui est sorti hein, donc, à la mi-temps. Est-ce que c'était prévu ou est-ce qu'il y avait une blessure
sur ce joueur avec une mêlée donc qui est pour les bleus de Souston qui avance avec le ballon qui est sorti de suite avec la tour qui donne qui redonne sur numéro 10, le ballon qui est tapé par-dessus, les roses qui vont récupérer ce ballon, ça fait drôle de dire les roses, mais Saint-Paul Dax qui récupère ce ballon qui va leur permettre de se dégager par l'intermédiaire d'Argel qui récupère ce ballon, mais qui s'attendait pas à cette passe hein, et visiblement c'était pas prévu. Et donc c'est une passe qui a été maladroite et donc Argel qui avait le ballon au ras des chevilles et qui n'a pas pu le récupérer. On voit qu'il y a un joueur qui reste au sol, Benoît. Et donc sur le précédent groupement, nous avons un joueur de Saint-Paul qui restait au sol. Avec le temps qui est arrêté, hein, les deux équipes qui sont là. Donc c'est une mêlée qui va être donnée au Cermettre sur à cette équipe de Souston. Souston, sachant que Jean-Pierre fait le forcing en mêlée, qui est mieux en mêlée que Saint-Paul et Dax, va peut-être essayer de porter, d'amener ce ballon le plus loin possible pour soit récupérer une pénalité, soit aller aplatir directement un essai. Ce qui est... La rentrée de Thibault Lafitte, hein, qui est un pilier très intéressant. Va amener aussi du dynamisme dans le jeu. Et avec cette mêlée, donc, je disais, introduction, Julien Lassalle. Une bonne mêlée pour les Soustonnais. Souston qui débute très bien cette deuxième mi-temps, hein, qui va permettre peut-être de mettre la pression sur ce pack de Saint-Paul et Dax, qui est un peu dominateur et Souston au niveau de la mêlée. Et Saint-Paul qui va se lier avec une grosse mêlée de Souston qui avance du côté de la guerre. Le ballon qui est relevé directement par Julien Lassalle qui est donné à l'intérieur par... Allez, au Velser. Avec le ballon qui est écarté de nouveau sur les avants, Laguin qui a le ballon au sol, Julien Lassalle qui réclame ce ballon, le ballon qui est pris, qui donne le temps à la défense Saint-Paul de se... Et l'arbitre estime qu'il y a un joueur de Saint-Paul qui s'est mis sous le ballon et ce sera un renvoi d'un but. Oui, ce sera un renvoi d'un but. Saint-Paul qui sauve bien sa ligne Et donc c'est l'arbitre, c'est le ballon qui a été bloqué. Et comme c'est les bleus qui ont porté ce ballon dans l'embut, c'est un dégagement avec Persillon qui tape un grand drop qui va arriver au niveau de la lignée 50. Le ballon qui n'est pas pris de volée. Avec donc Urès qui porte ce ballon, qui va au devant de la défense, qui est pris de suite par la défense de Saint-Paul. Attention, l'arbitre avait signalé qu'il ne devait pas mettre les mains sur ce ballon. Le rose est sorti avec le ballon qui est de nouveau écarté. Avec Sourouille qui donne à la tour, qui est lancée. La tour qui n'a pas donné à la guerre, mais le ballon est protégé par cette équipe soustonnaise. Avec de nouveau un ballon écarté. La défense qui veille avec Diaby qui avait Doucouré qui était monté rapidement, hein, qui avait le droit puisque. Et avec donc de nouveau Souston qui écarte avec Sourouille, la tour qui est pris de suite. La défense qui est offensive au niveau des Saint-Paulois qui leur permet d'avancer sur chaque impact. Et le ballon qui est de nouveau écarté et qui est parti sur l'aile là-bas. C'était Baptiste Latour qui s'était échappé sur le côté. Qui avait pratiquement pris. Et qui a été plaqué sans ballon. Donc il y aura pénalité. Voilà, il a été plaqué sans ballon, retenu, disons. Oui. C'est une pénalité pour Souston. Souston qui se sent fort devant, mais qui ont offert. Il y a quand même un artilleur sur place. Et c'est Menjoulou qui va rapprocher cette équipe soustonnaise avec une pénale touche. Pénale touche qui est trouvée dans les 22 mètres, mais qui sont quand même assez éloignés de la ligne d'un but de cette équipe de Saint-Paul, donc avec environ 18 à 20 mètres de la ligne d'un but Saint-Paul. Saint-Paul qui subit la pression cette première partie de la deuxième mi-temps. Souston qui, avec deux ou trois changements frais, ont peut-être accéléré le jeu. Et c'est un ballon qui est demandé. Donc on va assister à des changements. Le numéro 16, Théo Lafitte, le numéro 20, Ludovic Brousteau et le numéro 18, Alexandre Carrère vont entrer en lieu et place de Lucas Berdoy, Antoine Bonpan et Thomas Coufignal.
Antoine Bonpont qui a fait encore un gros match, il était très actif. On Oui. l'a vu sur le bord de la touche, on l'a vu au milieu là-bas, qui n'épargne pas sa peine. Il n'avait pas joué le week-end dernier parce qu'il était Covidé. Et Lucas Berdoy qui a fait un énorme match. Avec ce ballon qui est piqué par cette équipe Saint-Paul. Donc le ballon qui est protégé, ils vont pouvoir se dégager avec Florian Argel qui a été servi un peu mieux, qui a porté ce ballon très loin, mais attention, c'est Urek qui a récupéré ce ballon, qui a demandé le soutien de Hugo Barada, donc le ballon qui est bien sorti derrière, avec Sylvain Lassalle qui va au contact. Directement, la défense veille avec toujours ce ballon écarté. Donc avec Latour qui récupère ce ballon, mais qui récupère la défense. Et l'arbitre qui va donner une pénalité à cette équipe de Souston. Mais Souston ne s'en sort pas, Souston n'arrive pas à faire du jeu. Et donc est-ce qu'il va mettre un carton là? Parce que c'est le numéro, c'est un joueur frais, le numéro 20, qui est allé se coucher dans l'embut de Souston. Mais Monsieur l'arbitre appelle Florian Argel pour une petite leçon de morale. Il cherche le coupable. Là, c'est le numéro 20 qui est allé mettre l'épaule, je ne crois pas, mais bon, c'est. Plaquage à l'épaule, monsieur l'arbitre signifie. Donc il est à côté, donc il a dû le voir. Bon. Voilà, et c'est une pénalité que Hugo Barada va se faire plaisir de tenter. Et on est déjà à 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et 13-10 toujours pour Souston. Pénalité en cours pour Hugo Barada à 40 mètres face au poteau. On va le laisser tranquillement. Il se lance, la balle s'élève. Et passe entre les poteaux, 16-10 pour le Saint-Paul, pour le Souston. Pénalité d'Hugo Barada, 16-10 pour l'AS Souston Rugby. Souston qui fait un premier petit écart là, et par ses fautes un peu bêtes de cette équipe de Saint-Paul, qui leur donne... La se possibilité laisse embarquer par son élan. Voilà, et donc avec un coup de renvoi qui est encore bien donné, et le ballon qui va être récupéré par une touche pour cette équipe de... Qu'est-ce qu'il fait? Une touche directe ou pas? C'est bizarre puisque le bleu a pris le ballon et le bleu était sur le terrain. La touche devait être directe, Benoît. Oui. Il fallait qu'il soit en touche déjà pour qu'elle soit directe. Mais là au centre, donc introduction, Julien Lassalle. De nouveau une erreur de cette équipe Saint-Paul. Saint-Paul qui fait des petites erreurs, mais qui peuvent lui coûter très cher. Avec pourtant des joueurs d'expérience, comme le Florian Argel qui n'en est pas à sa première saison. Hein. C'est quelqu'un qui a joué à Tyros, qui connaît un peu les roublardises de ce sport. Mais là, qui depuis 2-3 fois font des bêtises qui va leur coûter quand même pas mal de points avec ce ballon qui est relevé directement avec Hugo Barada qui tape très loin et qui fait une touche directe. Souston qui avait pris l'option de se rapprocher le maximum de l'équipe du camp de Saint-Paul et Dax. Souston qui a compris qu'avec son artilleur, en récupérant des fautes dans le terrain de Saint-Paul et Dax, pouvait avec leur artilleur mettre des points au pied. Donc avec de nouveau un changement au niveau de cette équipe Saint-Paul et Dax, avec c'est Arnaud Lasserre qui va rentrer en lieu et place de Paris. Donc qui c'est qui sort là actuellement? C'est le centre. Montiel. Enzo Troussier. C'est Enzo Troussier qui sort. Thomas Troussier qui est sorti. Qui est sorti et donc c'est Arnaud Lasserre qui fait son entrée. Ballon récupéré par les Soustonnais. Cédric Manjoulou qui contrôle au pied. Ça enchaîne même sens avec Sylvain Lassalle. Sylvain Lassalle qui passe par le sol. On ralentit. Jeu au pied de Julien. Dans les bras de David Lang qui relance.
qui relance Attention la vitesse Lubbers, de Lang, qui est attention le plaquage qui est un peu au sol. Et l'arbitre estime qu'il y avait une faute des Bleus qui ne sont pas sortis. Donc avec Saint-Paul qui va récupérer cette pénalité s'il n'arrive pas à faire du jeu. Saint-Paul qui est très, très arrêté au niveau de son jeu, hein, qui arrive à avancer, mais quand même c'est un peu juste avec Argel qui donne à l'intérieur. Et c'était prévisible. Et attention, c'est donc de nouveau une pénalité qui va être récupérée par cette équipe saint-pauloise. Et Saint-Paul qui va. Est-ce qu'ils vont la taper? On voit les soigneurs partir avec le tee, mais c'est le capitaine qui décide, hein. C'est C'est pas les ça. soigneurs. Est-ce que Ouais. et Argel qui va demander Argel. Argel va peut-être demander à se rapprocher. Non, c'est une pénalité qui sera tentée et qui sera tentée par Arnaud Lasserre, buteur, qui vient de rentrer et donc qui va taper cette pénalité. Peut-être que Saint-Paul a compris qu'il manquait de précision au niveau des artilleurs et que, au niveau des buteurs et qu'il fallait faire rentrer un joueur qui soit aussi buteur. Après, on sent un petit peu Saint-Paul, j'allais te dire tout à l'heure, Benoît, que commencer à baisser au niveau de l'intensité, que quand tu commences à fatiguer, tu fais quelques mauvais choix au pied. Mais on a vu en Oui, mais suivant que Jean-Pierre, Hugo Baradin avait les deux dernières raté pénalités deux qu'ils ont belles prises, touches. Saint-Paul, c'est avec des remplaçants. C'est des C'est joueurs ça. frais qui sont entrés peut-être avec un peu trop d'envie, quoi. Et après, la cohésion, c'est peut-être pas faite de suite aussi. Donc Arnaud Lasserre, qui a un grand jeu au pied. Et qui va taper ce ballon à côté. Donc, pas plus de réussite que les autres. Et donc, de nouveau, Saint-Paul qui laisse 3 points. Au passage, et donc Souston qui va faire un renvoi avec deux tranquilles, toujours avec leurs 6 points d'avance. Avec même Joulou à la manœuvre, qui va taper un coup de pied très long, qui est Contré. contré. Mais qui est de nouveau récupéré par Menjoulou avec Julien Lassalle qui écarte Hugo Barada qui porte ce ballon. Le ballon qui lui est arraché, donc qui subit en avant. Et donc c'est une mêlée qui est récupérée par cette équipe Saint-Paul sur cette erreur de ballon lâché devant, qui a été gêné par la défense. C'est le défenseur qui lui a fait lâcher ce ballon. Et donc Hugo qui aurait peut-être pu essayer de profiter du soutien de Hurès qui était juste à côté de lui, qui a voulu absolument passer les bras, mais la défense a été sans pitié. Avec on voit là au niveau de c'est Bad Bodat qui est passé pied gauche, donc c'est Lafitte, Théo Lafitte qui est passé donc talonneur au niveau de Saint-Paul et Dax. Ok, il va y avoir un changement. Le numéro 19, qui n'est autre que Michael Seiss. La grosse pression de Souston, mais le ballon est sorti de la but et avec il y aura une faute, une pénalité donc qui joue rapidement avec Persillon. Persillon qui porte ce ballon. Le ballon qui est de nouveau écarté par Saint-Paul. Attention, ce ballon est porté de nouveau avec les joueurs qui mettent les mains sur le ballon, mais il faut qu'ils soient lâchés. Ils sont un peu perdus là, Saint-Paul. Il faut Ouais, qu'ils retrouvent un petit peu leur jeu parce que ils ont du mal à se restructurer. Ils ont les ballons. avec beaucoup grosse défense de cette équipe Souston avec Badbodat qui vient avec Diaby, ça enchaîne même sens. Les Soustonnais se font pas aspirer. Florian Argel qui donne à Arnaud Lasserre. Attention, Arnaud Lasserre qui reste. Ça continue avec Paul Larrieux. Paul Larrieux, même sens. Et Ça a défendu, alors les Soustonnais sont bien en place défensivement et Saint-Paul continue à avancer. Connexion avec Diaby qui avance, ça enchaîne même sens. Alors, je crois qu'on est toujours sur un avantage de pénalité malgré tout. Florian Garcia qui arrive avec une grosse percussion sur le numéro 7, Sartou. Et ça enchaîne, Saint-Paul envoie du lourd. c'est Sylvain Mais. Lassalle qui restait sonné un peu chez nous, hein, au niveau de Souston. Et donc, est-ce que le ballon a été arraché par les Bleus? Non, le ballon est toujours rose avec Argel qui part, qui écarte avec l'équipe de nouveau. Et une interception de Hurès qui va aller marquer cet essai avec le ballon qui a été admirablement bien. Et donc, Hurès qui va marquer cet essai. Au bout de 100 mètres, hein, puisque Eh bien, 700 l'interception. mètres sur une magnifique interception de Timothée Hurès.
On pensait à laisser Saint-Paulois et un énorme renversement de situation. Et bien, Timothée Huyres, avec sa roublardise, s'est mis entre les deux et interception, essai pour l'AS Souston. Et là, je pense que même si Angèle veut discuter un peu avec monsieur l'arbitre, je pense que les Saint-Paulois ont pris un coup sur la tête, plus qu'ils étaient dominateurs là, sur ces phases de jeu. Oui, parce que je pense qu'il Florian Angèle a demandé à monsieur l'arbitre pourquoi il ne revenait pas sur la pénalité. Oui, mais il y avait très longtemps qu'il y avait qu'elle était finie. Oui, et donc il va y avoir des changements avec, pour Saint-Paul et Dax, le numéro 18 qui fait son entrée. Donc Carrère Alexandre, nous avons le numéro 19 également, qui est 16, Michael, qui rentre. Ben Saint-Paul va avoir besoin de s'en frais parce que là ils ont pris un essai de 100 mètres et c'est vrai qu'à Souston ben ça leur permet à eux d'être à un point du bonus offensif. Hein. Et puis psychologiquement je pense que Saint-Paul est marqué puisque quand tu es sur une phase quasiment où tu as le ballon et tu vas marquer, tu es presque à marquer et tu te retrouves 100 mètres plus loin dans ton camp, c'est compliqué. Hugo Barada, la transformation passe à droite des poteaux, donc on sera toujours à 21-10 pour Souston à la 20e minute de jeu. Et bien le match qui s'emballe un petit peu aussi avec des enchaînements, des temps de jeu. Ah, on voit la rentrée de Quentin Douette de Florian Lajournade qui rentre, je pense qu'il va rentrer en position d'arrière. Quentin Douette qui fait son retour hein, suite à des vacances forcées par rapport à un carton. Hein. Oui, oui, il avait pris une biscotte rouge et je pense que comme il était à la deuxième, ouais. Elle a été un peu plus sévère. Oui, oui. Je crois qu'il avait pris... Six matchs. Ou six matchs, oui. Ben, il avait déjà pris un rouge, je crois, à Ramitz. S'en est enchaîné avec Ajetmo et donc... Voilà, avec un petit cafouillage au niveau de la réception des Soustonais, mais qui récupère quand même le ballon puisque c'était en arrière. Et donc Souston qui va profiter pour faire du jeu. Donc Souston qui va au contact de cette équipe de Saint-Paul qui défend vaillamment. Thomas Ledoux qui est rentré, Benoît Neuf, à la place de Sylvain Lassalle. Je ne sais pas si on l'a dit aux téléspectateurs. Non, je n'ai pas, souvenir que tu l'aies dit Jean-Pierre, mais merci de le rappeler. Avec Thomas Ledoux qui manque son coup de pied. Et donc, est-ce que les Soustonais vont récupérer ce ballon de nouveau? Non. L'arbitre, qu'est-ce qu'il va siffler? Un en avant rose avec une faute bleue derrière. Donc, on revient sur le premier en avant et ce sera une mêlée pour les Bleus. Et s'apprête à rentrer pour l'AS Souston, Julien Lacolle, Théo Barada qui va prendre le poste de numéro 10, je pense, et Vincent Sox qui va rentrer. Vincent Sox va passer seconde ligne. Julien Lacolle va prendre la place à l'aile ou à l'arrière d'Hugo Barada. Donc le retour de Sox, donc en 8, qui va prendre la place. Et Théo va remplacer Aurélien Sourouille. Aurélien Sourouille qui a encore fait un match plein. Hein. Ouais. L'ancien qui organise un peu le jeu autour de ces jeunes. Parce que c'est relativement jeune aussi à Souston derrière. Donc on repart d'une mêlée. Quentin Douette à droite. Et Quentin Douette face à Thibaut Lafitte. La mêlée soustonnaise tient bien. Elle est un peu chahutée. Cédric Manjoulou dans les bras de Florian Argel. Florian Argel, Florian Lajournade. Florian Lajournade, Paul Persillon. Paul Persillon avec ses petits crochets, mais qui tiennent debout. Ça enchaîne même sens. Avec Saint-Paul qui réussit à tenir ce ballon. Attention à la protection. Avec Débatté. Attention. Et une faute encore d'un joueur de Saint-Paul, l'arbitre n'avait pas sifflé de suite, mais là il revient puisque les Bleus n'arrivent pas à faire du jeu derrière. Il revient sur l'en avant et donc ce sera une mêlée donc avec une introduction pour Ledoux, Thomas Ledoux. Thomas Ledoux et on a
Un joueur de Saint-Paul qui est blessé. J'ai mis un genou à terre. Est-ce que c'est Ghislain Montiel? C'est un centre, oui, c'est Montiel. C'est pas Montiel. C'est, Montiel est sorti, c'est Troussier. Hein. Il reste sur le terrain. Avec introduction, donc Thomas Ledoux. Changement de Lafitte. C'est Théo Lafitte qui est rentré à la place de Clément Badbedat. Oui, Théo Lafitte qui est au talon. Hein. Qui n'a pas de famille, qui a pas de lien de famille. Il y avait Thibault Lafitte qui est en face, en numéro en pilier gauche. Mais des Lafitte, dans les Landes, il a un paquet. Hein. Ouais. Avec grosse pression. Pour le moment, toujours cette équipe Saint-Paul. Saint-Paul qui a retrouvé une première ligne, peut-être là. Hein. Et mais Clément Badbedat a basculé à gauche. Quentin est rentré à droite. Oui, c'est au niveau de l'introduction. C'est pas au niveau de l'introduction que la mêlée de Souston a été prise. C'est au niveau de l'impact. Au niveau de l'impact, Quentin fait un peu de mal. Il est grand, et même s'il pèse quand même son poids. Et il est grand et technique aussi. C'est un joueur quand même qui joue à ce poste depuis de nombreuses années. C'est un peu la gaine de cette équipe de Saint-Paul-et-Dax. Hein. Oui, et puis on connaît Quentin. Quentin, ce terrain, il le connaît. Quand il était petit, il venait voir jouer son père aussi, Denis. Qui a porté haut les couleurs soustonnaises quand nous étions en première division. Donc, avec une combinaison qui est mise en fond de touche pour essayer d'animer un peu le jeu. Donc Saint-Paul-et-Dax qui essaye d'écarter le maximum sur Argel qui va au sol. Donc le ballon qui est de nouveau relevé, les Saint-Paulois qui vont au contact, la grosse défense de Souston veille avec le 9 qui demande le soutien. Larieux qui est toujours à la commande de cette équipe de Saint-Paul-et-Dax, qui demande absolument le soutien de ses avants, qui va lui-même au contact. Attention, puisqu'à force d'aller se frotter à la défense, il y a des fois avec Quentin qui attend le ballon, Douette qui récupère ce ballon, qui va au sol, le ballon qui est bien protégé, avec toujours cette équipe Saint-Paul qui écarte. C'est Lafitte qui est en possession du ballon. Qui est en possession du ballon, c'est du 1 contre 1 là, c'est... On va chercher de nouveau les avants avec Argel, avec une petite combinaison Persillon qui est allé récupérer ce ballon en position. Le ballon qui est toujours de nouveau avec Larieux, qui est c'est numéro 13. C'est Montiel qui s'est fait prendre le ballon. Oui. Et donc, monsieur l'arbitre va revenir à la première faute qui était une pénalité contre Souston. Que dit l'arbitre? Apparemment, il y a une position d'hors-jeu des Bleus qui ne sont pas replacés par rapport aux différentes phases de jeu. Et ce sera une pénalité avec deux joueurs qui sont restés au sol. Hein. Donc, numéro 7 de Souston, donc c'est Sartou qui a mal au genou, hein, qui se plaint du genou. Et c'est toujours Montiel qui demande un changement au niveau de Saint-Paul-et-Dax. Est-ce que Saint-Paul-et-Dax a toujours du monde sur son banc? Oui. Oui. Eh bien, c'est Troussier qui refait son entrée, Thomas Troussier qui va Thomas changer. Troussier. Et Souston, Benoît, on voit que se prépare en bas Folco Flores et Sébastien Barbetegui. Oui, ça va être un changement de première ligne. Hein. Donc Jean Balaguin risque de sortir et Guillaume Darmaillac. Attention parce qu'il faut s'assurer que Sartou aille bien avant de sortir deux joueurs puisqu'ils en sont déjà... pratiquement ils finissent le remplacement quoi, sur cette phase de jeu. Donc et cette pénalité qui passe hein, donc, qui permet à Saint-Paul de revenir à 21-13. Il reste encore 13 minutes de jeu, donc rien n'est fait. Et Souston qui court après le bonus offensif puisque cette équipe Saint-Paul qui a marqué un essai, Souston 2, donc il faudrait qu'ils marquent deux fois. Les 10 premières minutes, ils ont mené la danse Souston, mais là actuellement c'est Saint-Paul qui malgré Saint-Paul qui... Thibault Lafitte qui est de nouveau sorti. Je crois qu'il s'est fait mal. C'est Thomas Dufour qui est re-rentré. Oui. Et on voit que c'est...
Visiblement, il n'avait pas l'air satisfait d'être sorti, Thibaut. Hein. Donc, on va voir si c'est technique. Je crois qu'on n'est jamais Trop prudent. trop prudent. Alors, est-ce que c'était est-ce que c'est une sortie sanction par rapport à la mêlée précédente? Est-ce que c'est le préserver Avec Saint-Paul qui écarte sur leur ligne, hein, qui essayait de passer, et qui est passé avec par l'intermédiaire de l'ailier. Oh là là là, qui se perd le ballon tout seul, hein, mais c'est Souston qui récupère ce ballon avec. Ben Florent Dulong qui fait une très belle action et qui finit mal. Il avait cassé deux plaquages et. Et l'arbitre qui revient sur l'en avant, donc Rose, donc avec un en avant Saint-Paulois, et ce sera une mêlée donc pour cette équipe Souston. On va voir si la mêlée s'est rééquilibrée, même si les objectifs ne sont pas les mêmes, puisqu'ils sont au centre du terrain, il y a moins de danger. Mais bon, Saint-Paul qui avait fait tout à l'heure connaître son envie de pouvoir récupérer les ballons sur ses mêlées, peut-être que. On voit qu'on arrive à la 30e minute, Benoît, et que les organismes commencent à être fatigués un petit peu. Ouais, on a vu Dufour qui a pris. Non, c'est Folco qui joue à gauche, le numéro 17. Folco face. Non, c'est que. Qu'est-ce que j'ai vu Non, comme. non, c'est ça, c'est Folco qui va jouer face à Quentin Douette. Et Thomas Dufour face à Bad Bedat. Ils ont changé Avec de grosse mêlée côté. encore de Saint-Paul, mais Souston avait veillé à dégager ce ballon rapidement. Et donc, ils ont réussi à sortir ce ballon. Diaby qui monte tel un chasseur. Oui. Et l'arbitre estime que le joueur n'était au plaquage et n'avait pas relevé les bras. Donc, Voilà. là, le joueur est sanctionné et ce qui va permettre donc avec par intermédiaire de Théo Barada, qui n'est autre que le frère de Hugo Barada, de rapprocher son équipe en trouvant une magnifique touche. Au Oui. niveau dans les 22 mètres de Saint-Paul-et-Dax. Théo Barada qui avait fait un excellent match la semaine dernière contre Ajetmo avec son grand jeu au pied et il sait profiter aussi du vent quand il est là et il a un très bon jeu au pied et donc il a pris la place Aurélien Sourouille au centre avec Baptiste Latour. Et Saint-Paul, encore une fois, Benoît, qui peine, c'est par rapport à tous les matchs qu'on a pu voir, ils sont pas loin, ils font du jeu, mais ça a du mal à passer. Et, Ils finissent assez mal leur match, ils finissent assez mal leur match en avant. c'est ce qui leur a coûté la victoire le week-end dernier. Là, on a vu un en avant, hein, un en avant soustonné. Donc, c'est une mêlée qui sera donnée aux Roses de Saint-Paul, avec cette mêlée qui va être faite pour introduction. Toujours le doux, hein, toujours Larieux qui est à la commande. Avec, vous le voyez, Folco là, donc qui est un pilier gauche. Donc un pilier droit, c'est Dufour, hein. Thomas Dufour qui a été mis un pilier droit. Et Qui est un gaucher, Thomas Dufour, habituellement, qui joue plus à gauche, toi qui es un mais spécialiste. il doit être estampillé les deux côtés puisqu'il Oui, lui laisse estampillé jouer. des deux côtés, mais on sait tous qu'on préfère un côté. La tenue est mieux. Attention. Avec une feinte de départ de Saint-Paul qui a réussi à sortir ce ballon propre, mais la défense veille et donc attention, les Soustonnais ne pas se faire aspirer par la défense. Et Et ne est-ce pas que plonger. Saint-Paulois vont réussir à se dégager ou pas? Est-ce qu'ils veulent se dégager? Visiblement, ils veulent porter le ballon, mais le ballon est pratiquement. Attention, parce que là, il y a un peu de retard au niveau de. Au niveau du nettoyage, et l'arbitre estime que le joueur a les mains sur le ballon et ne se dégage pas puisqu'il était plaqueur. Et donc, il sanctionne donc Barbetegui, et ce qui va permettre à Saint-Paul-et-Dax de se dégager avec une pénale touche que Persillon prend le jeu au pied à son compte, mais qui va taper vers le côté extérieur. Ici, c'est bizarre puisque il était quand même plus proche de la touche de l'autre côté. Mais c'est un gaucher, Benoît, donc C'est un c'est gaucher, toujours peut-être que. compliqué. Peut-être qu'ils ont des consignes à demander à l'entraîneur et ils se permettent de venir comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu es au milieu, ça peut être
pas facile. Et puis on voit qu'ils manquent un petit peu de puissance au niveau de leur jeu au pied, Saint-Paul, aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'était pas Florian Lajournade qui aurait pu le prendre, qui a un grand pied gauche aussi? Toujours avec un ballon qui est lancé en fond de touche. Toutes les touches ont été faites en fond de touche. Ce n'est pas les plus simples à faire, mais bon, le ballon qui a été récupéré avec donc cette équipe de Saint-Paul qui a réussi à se ressortir le ballon donc, pour permettre de pouvoir le sortir. Donc il va revenir sur ses avants avec Quentin Douette qui va mettre mis au sol le ballon qui est protégé correctement avec donc Larieux qui écarte avec un petit ballon qui est tapé par-dessus. C'est Persillon qui était venu en position de 10 et qui est tapé par-dessus, qui était un peu gêné par la défense, mais correctement. Et donc c'est Souston qui récupère de nouveau ce ballon avec Thomas Ledoux qui va faire courir la défense de Saint-Paul et qui va trouver une magnifique touche donc au niveau de la ligne 22 de cette équipe de Saint-Paul et Dax. Saint-Paul et Dax n'arrive pas à se sortir du jeu et de l'étreinte de cette équipe de Souston. Souston qui verrouille toutes les phases de jeu et ça fait que Saint-Paul n'arrive pas à avancer. J'essaye de suivre Benoît un petit peu les résultats sur les autres terrains des équipes qu'on suit habituellement. Tyros vient de battre Oloron sur le score de 27-21. Ça c'est pour Nadine. Et le Perorad Sport a mené contre Lombès Saint-Matan. Avec une touche qui n'est pas droite. Et donc c'est un ballon qui est rendu avec un petit en avant bleu. C'est un ballon qui est rendu à Saint-Paul. Saint-Paul qui va avoir une phase de jeu. Et je vous rappelle, il reste 5 minutes de jeu. Souston qui mène 21-13. Donc Saint-Paul qui va courir après le bonus défensif et Souston qui doit s'appliquer s'ils veulent mettre d'autres points et espérer peut-être marquer deux autres essais s'ils arrivent à marquer un très rapidement. C'est ça, tu as tout à fait raison Benoît. Avec une introduction. Le jeu devient de plus en plus long. Toujours Larieux. L'arbitre estime que c'est Souston qui se voit pris en mêlée, donc qui a anticipé un peu la poussée. Et donc Argel qui va au contact, qui est plaqué. Attention les bleus, sortez de la phase de plaquage. Avec Larieux qui remonte ce ballon, toujours passage par les avants. Le ballon qui est au sol avec un arrachage peut-être essayé par la salle, non. Avec toujours les joueurs, donc Babdat Clément qui est allé au contact. Les spectateurs de Saint-Paul et le public qui contestaient un peu le plaquage qui était un peu haut et le joueur qui est toujours dans le regroupement qui va chercher ça c'est une faute de la tour hein, qui peut être sanctionné d'un carton et il est dans le regroupement et il voit le 9 qui prend le ballon et il prend le 9 mais normalement ça risque d'être un carton jaune après je pense que sur l'action de Clément il demandait aussi les spectateurs demandaient un plaquage à deux aussi un plaquage haut un plaquage à deux demandait la totale hein, voilà ah, mais. Attention de ne pas se faire rattraper. Bon, ils sont à l'abri d'un essai transformé. Mais Saint-Paul qui cherche peut-être à avoir un point de bonus défensif puisqu'il reste 3 minutes de jeu. Et Saint-Paul qui a absolument besoin de points au niveau de ce championnat. Souston qui, eux, sont quatrième. Je disais, ils sont à 5 points de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, ils doivent s'écarter au maximum de Mouguer. Mouguer qui l'étalonne à 2 points. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Jean-Pierre, tu n'as pas le résultat de ces équipes hein. Non, je n'ai pas les résultats en direct de ces équipes. Avec un ballon de nouveau. Parce que qui je est... crois que Mouguer joue contre Lormont le 10 avril, me semble-t-il. Ah oui. Monsieur l'arbitre a été gentil avec Souston parce que... Oui, il y avait une faute sur ce regroupement. Il y avait une grosse faute sur ce regroupement qui pouvait mériter beaucoup de choses. Oula. Et là, l'arbitre qui estime que le plaqueur n'est pas sorti. Et là, c'est la tour. Hein, Baptiste qui a été repris par la patrouille. Oui, Baptiste qui a été un peu vu par l'arbitre sur l'action précédente. Et l'arbitre, je pense, l'avait en ligne de mire. Et donc, va faire. Ils peuvent se rapprocher à 5 points. Donc, ils auraient le point de bonus défensif. C'est ce qu'ils vont faire. Hein. Donc, c'est intelligent dans le jeu. Et Baptiste Latour qui sort, donc qui ne rentrera pas. On est à la 38e. Et qui a fait encore un bon match. Baptiste Latour qui était auteur d'un très gros match la semaine dernière.
dernière, qui revient bien. Né en 96, qui avait été champion de France cadet avec le Rassemblement et qui revient bien après avoir fait des hautes études. Et qui est un joueur sérieux, solide, appliqué et un bon élément pour l'AS Souston Rugby. Voilà. Pénalité d'Arnaud Lasserre. On va laisser taper puisque la dernière s'est pas bien passée. Et Saint-Paul qui donc met 3 points de plus. 21-16, donc qui rentre dans le point bonus. Oui, qui rentre dans le point de bonus défensif. Et donc ce qui leur permet d'espérer d'avoir un point. Mais c'est vrai qu'actuellement, depuis qu'ils ont fait rentrer du sang frais au niveau de Saint-Paul et Dax, on les voit plus entrepreneurs. Et ils montrent qu'ils font quand même un peu plus de jeu actuellement que cette équipe Souston qui ne se contente que de défendre. Puisque mis à part l'interception qu'ils ont fait Souston sur cette seconde partie de seconde mi-temps, ils n'ont rien montré de plus. Avec un ballon qui est récupéré par Persillon directement. Donc le ballon qui est de nouveau dans les mains des Roses, avec Saint-Paul et Dax, pour ne pas dire avec Arnaud qui s'est fait prendre, donc Arnaud Lasserre, qui s'est fait prendre par la défense Souston qui monte bien, mais les Roses qui continuent à bien protéger ce ballon, qui veulent absolument revenir dans le camp d'attention parce que rien n'est fait là. Souston n'est plus à l'abri d'un essai transformé, ça écarte avec de nouveau Lasserre qui écarte sur l'extérieur avec ce ballon, avec la journade qui fait une bonne passe sur Persillon qui n'est peut-être pas les cannes pour aider, mais c'est le ballon qui est donné sur l'extérieur, attention, avec Lasserre qui porte ce ballon et Lasserre qui va aller au bout, mais l'arbitre a sifflé une faute précédente avec donc bien sûr il avait vu un en avant donc de passe pour cette équipe de Saint-Paul. C'est dommage puisque visiblement c'est la journée qui sur sa passe en allant chercher Persillon sur l'extérieur avait réussi à mettre en surnombre cette équipe de Saint-Paul et mais sur cette relance, on s'en tire bien. Une faute au départ, monsieur l'arbitre, il était à côté, donc il a dû la voir, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que l'action menée, puisque les joueurs n'ont pas vu que monsieur l'arbitre avait sifflé, c'est déroulé avec peut-être un essai de Pierre Paris, parce qu'il y a cru jusqu'au bout. Oui, mais c'est vrai que... pas Pierre Paris, oui peut-être, mais c'est vrai que Saint-Paul avait bien joué le déséquilibre puisqu'il manque un centre en face. Il s'était vite mis à l'extérieur, mais visiblement il y a une passe qui a été pas faite correctement et l'arbitre qui était sur place a bien vu cette faute et c'est une mêlée avec introduction donc pour le Doubs et qui va... Mêlée soustonnaise. Avec une là, la mêlée est emportée. Pénalité. Est-ce que Saint-Paul, vu les pénalités qu'il récupère sur les mêlées, n'a pas trop tardé à faire rentrer sa première ligne fraîche? Donc c'est donc Persillon qui va essayer de trouver une touche pour approcher cette équipe Saint-Paul du camp de Souston. Avec le délégué qui fait voir à l'arbitre que le temps est fini, mais sur une pénalité, on ne peut pas arrêter le jeu. Donc c'est une touche qui va être jouée par Saint-Paul et Dax. Saint-Paul et Dax, il prend aussi le risque de prendre des points par rapport à une faute technique qu'il pourrait faire, sachant que là, actuellement, ils ont le point de bonus C'est-à-dire que je pense qu'ils se disent... Ils repartent un petit peu à zéro avec tous les changements qu'ils ont eus. Donc... je pense qu'ils veulent continuer à produire du jeu. Alors, ça se passera bien ou pas bien, mais voilà. Le ballon de nouveau pour les Saint-Paulois, hein, avec toujours Larieux à la commande, avec le centre, donc c'est Troussier qui est allé au contact
Les bleus qui mettent les mains sur le ballon, qui n'arrivent pas à le sortir. Et Persillon qui est venu en position de centre. Attention, Persillon, tu ne dois pas retourner comme ça. Avec le ballon qui est un peu cafouillé. Saint-Paul qui n'arrive pas à porter ce ballon. Avec Diaby Doucouré qui réussit à récupérer ce ballon. Mais c'est la défense qui avance. La défense soustonnaise qui est bien en place et qui tient. Florian Argel qui a réussi. Dommage. Et voilà, le ballon qui est récupéré par les bleus avec sur un en avant. Et c'est une touche qui est trouvée par les soustonnais. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match avec donc une défaite de Saint-Paul Sport qui est venu perdre sur le terrain de Souston. Souston qui a mené la partie et qui s'est mis à l'abri avec cet essai de contre. Et donc Souston qui mène et qui a gagné cette partie sur le score de 21-16. Je pense que Saint-Paul a perdu le match tout seul puisque Saint-Paul a quand même raté trois coups de pied assez faciles. Et c'était pas leur jour. Mais c'est Saint-Paul qui rentre quand même chez eux avec un point de bonus défensif, Jean-Pierre. Un point de bonus défensif et de la confiance parce que ils ont montré à travers quelques belles phases de jeu que ils sont pas du tout largués dans cette Fédéral 2 et donc peut-être que ça peut être un redémarrage pour eux. Ils ont été dans le combat présent, ils ont eu un moment de flottement, ils se prennent un essai un petit peu contre le cours du jeu, mais c'est les Soustonnais qui ont été plus malins. Souston qui a peut-être été un peu plus attentiste en seconde mi-temps par rapport à Saint-Paul qui a produit du jeu. Et comme tu dis, peut-être que Saint-Paul va peut-être se mordre les doigts d'avoir fait rentrer sa première ligne trop tard. Enfin, on a vu quand même un match intéressant avec de l'engagement physique, un derby. Tout à fait. Un derby et voilà, c'est en plus les relations entre Saint-Paul et Souston ont toujours été de bonnes relations. D'excellentes relations. Puisqu'il y a eu toujours des turnovers de joueurs qui se sont produits entre les clubs et les uns avec les autres. Et donc voilà. Benoît. Donc voilà, écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis donc, pour cette journée de Fédéral 2 avec, je vous signale, la victoire de Souston sur sa pelouse sur le score de 21 à 16 pardon, par rapport à Saint-Paul et Dax. Donc merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dimanche prochain où nous serons à Lombès-Saint-Matin où nous aurons le plaisir de vous commenter Lombès-Saint-Matin Tiros pour la Fédérale 1. Merci à tous et on vous souhaite de plus en plus nombreux et merci de nous avoir suivis. Merci à tous, au revoir et bonne fin d'après-midi.